Bonsoir à tous, nous sommes au stade de la Méno pour la cinquième journée du championnat de France de football avec la rencontre à suivre dans une dizaine de minutes maintenant qui va opposer le Racing Club de Strasbourg à l'équipe ardennaise de Sedan. Un match que nous allons vivre en compagnie de Gérard Gilly et de Lucien Dabila, le tout dans une atmosphère particulièrement pesante. Pesante à cause de la température car le thermomètre indique 34 degrés ce soir ici en Alsace, et pesante aussi cette atmosphère car vous le savez très certainement, les événements de ces dernières semaines du côté de Strasbourg ont été particulièrement et suffisamment graves pour peser sur l'ensemble de la communauté football. La formation strasbourgeoise qui est tout simplement lanterne rouge de ce championnat avec 4 défaites en 4 matchs et surtout un goal average de moins 11, 2 buts marqués seulement pour 13 buts encaissés. C'est parmi les plus mauvais débuts de saison depuis 20 ans. Alors rapidement, pour faire une statistique, seulement 3 équipes ont réussi à s'en sortir après un tel début de saison. C'était en 89, Caen, avec 6 défaites consécutives, avait réussi à se sauver. En 1992, Toulon, 5 défaites consécutives, avait réussi à se sauver. Enfin, en 95, Montpellier avait concédé 4 défaites consécutives, avait réussi à redresser la barre dans ce championnat. Le programme complet de cette cinquième journée, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette rencontre Strasbourg-Sedan, on va le voir ensemble. Le programme de cette cinquième journée qui apparaît donc sur votre écran avec Lille, Metz, Lyon 3, Rennes, Monaco, Marseille, Guingamp, Toulouse, Nantes. Et puis demain, il y aura Auxerre, Saint-Etienne et Paris, Saint-Germain, Bastia. On parlait du positionnement des deux formations en présence ce soir. On va voir la première partie du classement qui intéresse la formation de Mathieu Verschuur avec cette formation sedanaise et Nicolas Sachy qui pointe pour le moment en 7e position avec 7 points, 2 victoires face à Lille et face à Auxerre, un match nul face à Lyon et une défaite étriquée face au Paris Saint-Germain, ce qui n'a pas empêché Philippe Bergeron, l'entraîneur parisien, de dire que cette formation sedanaise était tout simplement la meilleure équipe de contre du championnat. Avec Gérard, on aura l'occasion d'en reparler. Et ce que je vous disais en ouverture du programme, regardez ce positionnement de Strasbourg. Il y a urgence pour les Strasbourgeois de réaliser quelque chose ce soir, enfin, Gérard. Oui, effectivement, pour Strasbourg, ça devient critique dans la mesure où, bon, mathématiquement, ils sont nettement détachés. Et puis, ils ont un petit problème avec, même un gros problème avec une certaine partie du public qui n'a rien fait pour mettre en confiance cette jeune équipe, parce que c'est une jeune équipe et Claude Leroy a eu beaucoup de difficultés sur le plan psychologique toute la semaine. Avec ce climat délétère dont on parlait, avec à l'occasion du match Strasbourg-Monaco, des joueurs comme Habib Bey et Brahim Mdani qui sont pris à partie directement sur le parking par les supporters strasbourgeois. Par la suite, à l'occasion de la défaite face à Lille, il y a une minorité d'excités qui vient carrément provoquer Claude Leroy. De nouveau, des insultes à caractère raciste, n'hésitons pas à le dire. Et d'autres joueurs pris à partie sur le parking, en l'occurrence Mamadou Bagayoko, avec ce point d'orgue inacceptable, insupportable dans quelques domaines que ce soit. Bien évidemment, les graffitis racistes découverts après la défaite concédée à Rennes dimanche dernier, avec notamment des phrases aussi incroyables que le roi sale juif, et les Strasbourgeois ce soir ont décidé de réagir avec, c'est vrai, une affluence qui n'excédera pas 10-15 000 supporters, mais on a décidé de se souder. Il y a une osmose strasbourgeoise ce soir, Gérard, pour dire non stop, il ne faut se concentrer que sur le plan sportif. Oui, et puis bon, je crois que j'ai discuté tout à l'heure avec un des responsables du club strasbourgeois et qui disait que toutes les télévisions du monde entier en fait jettent leur flash sur la cité alsacienne, et c'est pour dénoncer ces actes. On ne parle plus de sport, on parle simplement de faits de société, et je crois qu'il est nécessaire à la fois de condamner ceux qui sont connus, parce qu'on les connaît. Et puis il faut surtout les empêcher de rentrer au stade et de s'approcher du mouvement sportif. Ouais, et on a vu la banderole affichée par le COP strasbourgeois UB90 qui a décidé bien évidemment et très rapidement de se désolidariser de cette graffiti raciste avec cette banderole toute simple, fâché mais pas facho. Les choses au moins sont claires. Alors dans ce climat particulièrement pesant, on en a parlé, Gérard, pas évident pour une équipe en pleine crise de confiance comme ça de pouvoir compter sur un public soudé à domicile. Lucien Dabila a rencontré Teddy Bertin il y a une demi-heure maintenant juste aux abords du stade pour lui demander tout simplement comment est-ce qu'il allait vivre cette rencontre avec l'ensemble de son équipe du Racing Club de Strasbourg. Écoutez.
Teddy, semaine certainement difficile pour le Racing. Est-ce que le fait de jouer à domicile ce soir contre Sedan, est-ce que vous avez un petit peu peur de l'accueil du public ? L'accueil, non. C'est vrai que ça va peut-être avoir un accueil assez difficile, mais je pense qu'une grosse partie du public sera derrière nous. Maintenant, à nous d'oublier un peu les quatre défaites qu'il y a eu avant, de se consacrer sur ce match, parce que c'est un match hyper important, donc il nous faut 3 points. Mais je pense que le public va être derrière nous quand même ce soir. Et il le faut, parce qu'avec l'encouragement de ce public, on peut faire quelque chose ce soir. Dans la semaine, est-ce que vous avez des messages de sympathie ? Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup, on a un peu focalisé sur ce qui s'est passé, les inscriptions et tout ça. Est-ce que vous avez eu des messages de sympathie ? Les supporters vous ont soutenu toute la semaine pendant l'entraînement ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de messages sympathiques de certains supporters. D'autant plus qu'il y avait quand même du monde cette semaine. Il y a quand même 300 personnes le mardi et le mercredi à l'entraînement. Je pense qu'il y a quand même quelques encouragements. Bon, il y a quand même quelques critiques, mais il y a quand même pas mal d'encouragements. Je vous dis, je pense que le public est derrière nous. Il y a certains supporters qui sont à fond derrière nous, donc qui nous supportent constamment. Et c'est vrai que pas mal de joueurs ont eu du courrier avec des encouragements pour ce match. On sait que c'est pour nous, c'est un match hyper important. Donc à nous de ne pas se louper ce soir. L'ambiance dans le groupe, le moral des joueurs, il est comment en ce moment ? Ben, je dirais beaucoup mieux de ce qu'il a été quand même par rapport au match avant. Je pense que le match de Rennes, la deuxième mi-temps de Rennes, a été satisfaisante. Donc même si on a perdu, on a quand même fait du bon football. Maintenant, là, cette semaine, on a bien travaillé avec une bonne ambiance. Donc j'espère que l'ambiance qu'il y avait cette semaine, on va la retrouver sur le terrain. Et je vous dis à 10h moins quart, si on peut avoir les 3 points, ça serait formidable. Voilà, clarification très claire et nette du capitaine du Racing Club de Strasbourg. Strasbourg, quelle que soit la considération qu'on peut porter à cette équipe, Gérard a besoin de retrouver une certaine sérénité. Ce club ne doit revenir qu'au plan purement sportif. Tout ce qui s'est passé durant la semaine, on n'en reparlera plus, en tout cas je l'espère, était proprement insupportable pour tous les amoureux du sport. Voici Claude Leroy qui nous a concocté une équipe un petit peu différente de ce que l'on a pu voir depuis le début du championnat. On voit ça avec le synthé lancé par Mohamed Hassani, Gérard. Oui, on va voir ça. La composition d'équipe de Claude Leroy qui a un petit peu changé ses batteries. On va voir apparaître la composition d'équipe et surtout son organisation placée sur le terrain avec, il faut quand même le souligner, voilà, un nouveau gardien, Ejiman. Et puis une équipe qui sera certainement placée avec Bertin libéraux devant deux stoppers, une ligne de 3 demi-défensifs et 3 demi-offensifs et un seul attaquant pour essayer de rendre cette équipe très solidaire et très compacte face à la redoutable équipe sudanaise. Ouais, formation sudanaise dont on va parler dans quelques instants. Strasbourg, de toute manière, est mobilisé pour cette rencontre, 5e journée du championnat. À noter la présence exceptionnelle dans les tribunes du stade de la Méno ce soir de Madame Catherine Trottmann, le maire de Strasbourg, qui a tout simplement décidé de se déplacer pour montrer la mobilisation alsacienne contre l'adversité sportive, premièrement, mais aussi contre l'intolérance dont nous avons parlé précédemment. Alors on y vient maintenant à cette formation sudanaise qui ne cesse d'épater tout le monde. Il n'y a qu'une défaite au compteur depuis le début de la saison, mais tous les observateurs étaient d'accord pour dire qu'il y aurait pu avoir un meilleur résultat à l'occasion de la défaite au Parc des Princes. Avec Alex Dupont, un nouvel entraîneur, on garde encore les mêmes vertus tactiques et techniques dans cette formation ardennaise. Oui, tout à fait, une équipe positionnée en 4-4-2 avec deux milieux défensifs chargés de la récupération, deux organisateurs excentrés et puis deux attaquants, Brogno et Dirocco, qui a pris la place de Mionnet qui était pressenti au départ. En tout cas, un club très sympathique avec une équipe qui va vers l'avant et puis avec un entraîneur, Alex Dupont, qui reprend la suite du travail fait par Patrick Rémy et qui s'est bien adapté au style de jeu sudanais. A noter dans cette formation sudanaise, de retour, celui d'Elzéar en défense, celui d'Al Jaoud au milieu de terrain avec la rentrée sur la pelouse dans quelques instants de l'équipe de Strasbourg, de l'équipe entraînée par cet homme, Alex Dupont, qui va retrouver un de ses anciens protégés, lui l'ancien entraîneur de Guignon, vainqueur de la Coupe de la Ligue l'an dernier, va retrouver tout simplement un des héros de cette belle épopée bourguignonne, en l'occurrence Stéphane Roda, titulaire comme Gérard vous l'a dit, sur le côté gauche du milieu de terrain strasbourgeois ce soir. Lucien Dabila en compagnie de Claude Leroy. Oui, bonsoir Claude, enfin rebonsoir puisqu'on a déjà eu l'occasion de se voir tout à l'heure. Claude, quel est un petit peu l'état d'esprit du groupe et surtout le vôtre avant une rencontre qui s'annonce difficile, puisque bien sûr, tout le monde le sait, vous avez pour l'instant 0 point au compteur et bon, il y a l'accueil du public qui va compter aussi. Quel est un petit peu l'état d'esprit général ? Je crois que les gars sont très conscients de ce qui nous attend. Ils savent que
je pense que s'ils emballent le match, ils vont eux aussi emballer le public derrière. Donc ça dépend de nous au départ. On sent une équipe qui a envie de faire un bon match maintenant. Il y a 90 minutes qui vont se passer, mais je crois que je sens les gars très très concernés, décontractés et concentrés en même temps. Est-ce que vous avez eu un message particulier là, par rapport à cette semaine d'entraînement et ces dernières heures? Je leur ai dit, jouez pour vous, soyez égoïste, pensez à vous, jouez. Et puis après, les gens qui vous aiment, ils sont tous derrière vous et les autres, il faut les oublier, il faut penser que positif ce soir. On est derrière vous, Claude. Merci. Voilà les 22 acteurs de cette cinquième journée du championnat de France de football ici au stade de la Méno avec une formation strasbourgeoise particulièrement concentrée avec face à elle une équipe de Sedan qui reste sur un très très beau résultat puisque tout simplement une victoire face au leader d'alors, en l'occurrence l'équipe de Lille. Une formation de Sedan qui pratique tout simplement un beau jeu avec ce 4-4-2 traditionnel. Tout le monde participe au schéma tactique mis en place par Alex Dupont. Oui, et puis une équipe de Sedan qui a pratiquement pas renouvelé ses joueurs suite à l'excellente saison l'an passé. Et une équipe de Sedan qui est quand même allée gagner à Auxerre lors de son premier match, qui est allée faire un excellent match contre le PSG, donc une équipe qui s'est très très bien voyagée. On a vu l'arbitre de cette rencontre rapidement, monsieur Colombo, qui sera assisté de messieurs Arnaud et Cové, arbitre remplaçant monsieur Badet, avec pour débuter cette rencontre une minute de silence en la mémoire d'Eric Sold, ancien journaliste de FR3 Alsace. La mémoire donc d'Eric Sold, décédé la semaine dernière, figure du journalisme alsacien qui manquera beaucoup bien évidemment à toute cette région. Et c'est la Ligue de football alsacienne qui a décidé que pour ce week-end, il y aurait tout simplement une minute de silence sur tous les terrains de football. Le gros plan sur le banc des remplaçants strasbourgeois, où on a pu voir notamment l'Argentin Gonzalo Bellozzo, compagnon d'infortune la semaine dernière sur la pelouse de Rennes, puisque c'est lui qui était venu remplacer Thierry Debesse, expulsé. Voici le gardien titulaire ce soir, donc Christophe Eguiman, ancien gardien numéro 3 de la formation du FC Metz, qui ne compte qu'un quart d'heure en première division, en remplacement de Lionel Letizy la saison dernière face à Lens. Claude Leroy lui fait pleinement confiance. Oui, une responsabilité qui n'est pas facile à assumer, parce que le match est sous haute tension, avec d'énormes responsabilités. Et je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir. Voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes avec un premier ballon en faveur des Sedanais, avec Quint à la récupération sur le service d'Elzéar, et tout de suite un pressing extrêmement haut imposé par le double rideau défensif-offensif strasbourgeois. Oui, visiblement une équipe de Strasbourg qui cherche à immédiatement récupérer le ballon le plus haut possible et surtout à mettre sous l'éteignoir cette équipe sedanaise. Tête de Deveau directement en touche. Christophe Deveau qui était venu couper la trajectoire juste devant Tony Brogno. Des moments toujours très particuliers, le début du match comme ça, où psychologiquement on essaie de prendre possession du terrain adverse. Elzéar qui demande une solution, peut-être avec Olivier Quint, ça sera à destination de Tony Brogno. Et toujours cette lutte qui continue, Mamadou Bagayoko qui ne récupère pas ce ballon. Et le premier coup de sifflet de la part de monsieur Colombo pour une protestation de Tony Brogno. Et c'est un coup franc en faveur des Alsaciens. Les choses sont claires, du moins au niveau du camp arbitral, il n'y aura pas de discussion possible. On voit effectivement la faute très nette de la part de Brogno sur Mamadou Bagayoko. Le ballon en profondeur à destination de Stéphane Roda, directement sur la tête de Jean-Louis Montero, Habib Bey, Satora. En tout cas des Ardennais qui sont au milieu de terrain en situation de surnombre, parce qu'ils ont deux joueurs face à un axial. Donc sur chaque renvoi de ballon, les joueurs de Sedan risquent de récupérer le ballon. Elzéar. Passing avant imposé par Mamadou Bagayoko sur ce côté droit, et Bagayoko justement qui va pouvoir récupérer pas pour longtemps. Elzéar avec ce ballon en profondeur de Brogno à destination initialement d'Alex Dirocco, mais directement sur Christophe Eguiman.
match pour l'instant se déroule au milieu de terrain où chaque équipe essaie de trouver ses marques et de poser son jeu. Allez, le long dégagement du gardien alsacien. Oui, c'est ce que souhaitait peut-être Claude Leroy, le ballon un petit peu plus long au début du match pour justement en faire un peu de hurrah football et emballer un peu le public. Attention avec Bagayoko, Peggy Lundula qui s'impose une fois, deux fois, qui est accroché. Bagayoko qui va pouvoir récupérer pour la frappe et l'intervention décisive de la part de Nicolas Sachi. Oui, en tout cas, un ballon arraché dans les pieds des défenseurs ardennais. Il faut que Nicolas Sachi fasse un arrêt exceptionnel du pied. Là, on voit le ballon arraché par les Strasbourgeois et puis l'infiltration et cette excellente frappe du coup de pied. Repoussé par les pieds de Sachi. Ouais, Sachi déterminant avec ce corner qui suit tiré par Corentin Martins. La frappe à suivre de la part de Ducanti. La récupération de Peggy Lundula qui n'était pas en position de hors-jeu. Oui, une équipe de Sedan qui a mis du temps pour remonter. Et on voit sur la frappe du Strasbourgeois, effectivement, il n'est pas hors-jeu. Et Sachi était à nouveau présent sur ce ballon difficile. Et le contre, mené juste derrière, ne sera pas suivi d'effet parce que M. Colombo intervient sur la faute de Jean-Christophe Devaux sur Alex Di Rocco. Double frayeur là pour Nicolas Sachi. Oui, en tout cas une équipe de Strasbourg qui a en quelques minutes a eu deux occasions d'ouvrir le score, ce qui va certainement la mettre aussi en confiance. Et quand on se procure des occasions de but comme ça c'est toujours régénérant. Adjaoud directement sur Bagayoko avec son ballon récupéré par Martins. On cherche une ouverture en profondeur avec Peggy Lundula directement sur la tête de Satora. Le ballon qui sort en touche pour les Sedanais. Lundula qui est peut-être un petit peu seul au milieu des deux défenseurs centraux sedanais. Il va lui falloir beaucoup d'abnégation et de courage. Teddy Bertin avec une position de hors-jeu annoncée contre Peggy Lundula. Oui, une équipe de Sedan qui n'a pas reculé, qui est restée statique et qui a comme principe de jeu la mise sur hors-jeu. Là on revoit le ballon arraché. L'infiltration et puis l'arrêt déterminant de Sachi en début de match avec son pied gauche. Ouais, du bout du pied, hein, de la part de Nicolas Sachi, le gardien ardennais. Juste derrière, il y aura une autre intervention déterminante sur la déviation de Lundula. Oui, une bonne entrée en matière pour les Strasbourgeois parce que ça leur permet de se mettre en position de frapper au but, c'est déjà bien. Et Claude Leroy qui demande depuis le début de la rencontre à ses joueurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure Gérard, d'imposer un combat physique et surtout de gagner tous les duels. Il veut absolument que son équipe se rassure et aussi il leur demande de jouer le plus haut possible. Même s'il ne joue qu'avec un seul attaquant, il devrait avoir beaucoup de soutien normalement Lundula ce soir. Avec le premier corner à suivre en faveur de Sedan. Ballon sorti par Niankal Camerounais qui participera aux Jeux Olympiques avec sa sélection nationale. Il quittera Strasbourg le 4 septembre prochain pour rejoindre la formation entraînée par le français Pierre Lechantre. C'est bien tiré ça avec la tête et l'intervention de la part de Corentin Martin sur cette tête piquée des croisés. Oui, bien tiré au premier poteau avec cette déviation et surtout il y a eu cette simulation de corner à deux. En tout cas, une bonne occasion là pour les Sedanais. Ouais, 5 minutes de jeu et 3 occasions extrêmement franches depuis le début de cette rencontre. Et c'est reparti là pour les Sedanais avec ce ballon en profondeur pour Brogno, le contrôle devancé par Yannick Fischer. Les Sedanais qui ont un jeu très académique avec des petits ballons au pied. Là, on voit la déviation et puis Di Rocco était à deux doigts de retoucher ce ballon pour le mettre au fond. C'est Martins qui sur la ligne parvient à sauver. C'est Oliveira qui était venu placer cette tête très très loin du premier poteau avec un effet particulier. Ouais. C'est Corentin Martins qui est venu sortir ce ballon. Mais derrière ça repart pour les Alsaciens avec une combinaison Lundula, Bagayoko, le petit ballon piqué. Il n'est pas en position de hors-jeu et Adjaoud pour venir récupérer ce ballon dans sa propre surface de réparation. Oui, en tout cas un match qui a bien démarré. On voit le petit piqué là au-dessus de la défense sudanaise et il ne manque pas grand chose pour que le joueur de Strasbourg puisse le récupérer. Allez, 6 mètres en faveur de Sedan pour permettre à Nicolas Sachi de se sortir loin, très très loin de sa zone avec un tout petit ballon finalement donné côté droit à destination de Luis Satora.
en profondeur pour chercher Diroco, la tête de Devo et le défenseur strasbourgeois qui s'impose. On cherche la combinaison, Corentin Martins, c'était un peu haut, mais derrière la remise immédiate de la part d'Elzéar avec un duel à suivre pendant toute la rencontre qui va opposer Ndiaye, l'ancien Monégasque, véritable feu follet, artisan de la victoire la semaine dernière face à Lille. Ce duel entre Ndiaye et Pierre Nianka avec la récupération de la part de Verschuer. Oh, l'intervention un petit peu hasardeuse de la part de Yannick Fischer, plus peur que de mal pour les Strasbourgeois. Et Jiménez qui s'est bien imposé là de l'avant en venant chercher ce ballon très très loin de sa ligne de but. En tout cas des joueurs de Sedan qui jouent énormément le ballon sur la largeur, notamment avec de longues diagonales qui mettent en difficulté les couloirs strasbourgeois. La tête de Roda préférait protéger cette balle à l'image d'Oliveira. On laisse tranquillement ce ballon vers Nicolas Sachi qui va pouvoir dégager loin, très très loin, directement sur Teddy Bertin. Pendant ce temps-là, Adjaoud a un petit problème de crampons, enfin c'est pas un problème, il a envie de changer de chaussure parce que là il avait débuté la rencontre avec des crampons vissés. Et même si le terrain a été bien arrosé, il a dû être un petit peu dur par en dessous et donc il a choisi de continuer la partie avec des crampons mou, mais enfin, c'est pour Gérard. Hein, c'est pour... Oui, oui, surtout que maintenant le terrain est quand même en très très bon état, le climat est très propice pour jouer en crampon moulé. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de différence entre crampon moulé et crampon vissé. Corentin Martins, énorme travail au milieu de terrain pour chercher à en tout cas, la récupération. Les Sudanais qui montent très très haut quand les défenseurs strasbourgeois ont le ballon, on voit les Sudanais qui montent très très haut le chercher. Et c'est passé, là, côté gauche avec Pierre Nianka. Et coup de sifflet après cette faute sur Peggy Lyundula. Un match qui est parti sur un forine, mais Lucien Dabila qui est au bord du terrain, qui est un connaisseur, doit s'en rendre compte. On voit cette faute de la part d'Oliveira sur Peggy Lyundula. Teddy Bertin est à côté du ballon, comme Roda avec Nicolas Sachi en train de donner ses ordres. La frappe de Teddy Bertin. Et contré par le mur sedané directement dans les bras de Nicolas Sachi qui relance. Ballon récupéré par Yannick Fischer. Bagayoko, un peu de mésentente qui va profiter à Elzéar pour sortir ce ballon en touche. Un petit peu de précipitation des deux côtés là. Oui Lucien. Oui Gérard, pour vous répondre, j'attendais le coup franc de Teddy Bertin. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre au but du bord du terrain, puisque d'un côté il y a Claude Leroy qui pousse ses joueurs qui lui ne doute pas. On a l'impression que les deux équipes qui se lâchent pas. Voilà, c'est ça. Surtout les Strasbourgeois qui ont un petit peu, qui ont un petit peu le doute dans la tête et qui n'osent pas vraiment se livrer. Ils ont besoin de se rassurer. Et c'est sûr que s'ils arrivent à marquer un but, je pense qu'on verrait autre chose. Et les Soudanais qui sont un petit peu sur la défensive, mais qui sont toujours prêts à contrer. Et Alex Dupont qui leur demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de jouer dans les diagonales, de surtout dans les espaces, parce qu'il y a des coups à jouer sur les côtés de la défense. Attention avec ce deuxième corner et la tête d'Abid Bey qui passe assez largement au-dessus de la tête de la cage de Nicolas Sachi. Abid Bey, on en a parlé dans l'avant-match, qui fait partie de ces joueurs émoussés, hein, qui n'ont plus forcément envie de jouer face à ce public qui a été extrêmement dur. Enfin, une frange, en tout cas, une infime minorité du public qui a été extrêmement dur, notamment avec lui, avec Brahim Mdani, avec Mamadou Bagayoko. Donc là, M. Colombo siffle une faute de Diroco sur le défenseur central strasbourgeois, on le voit. Il passe un petit peu les bras. Et on sollicite une nouvelle fois Bagayoko face à LCA. Avec un mouvement en faveur du Racing Club de Strasbourg. Oui, il y avait beaucoup de duels un contre un, notamment sur les côtés, pour les deux défenseurs latéraux de l'équipe de Sedan. Corentin Martins pour venir se charger du coup franc sur le côté droit. Nicolas Sachi place qu'un homme dans son mur, en l'occurrence Olivier Quin, ballon enveloppé avec la tête de Stéphane Roda sur le poteau. Ah oui, là, vous voyez, c'est bon, déjà un coup franc remarquablement tiré par Corentin Martins. Et puis Roda qui met le ballon sur le poteau. Alors que là, il y a un contre fabuleux de la part de Diroco. Ouais, mais la bonne intervention décisive de la part de Pierre Nianka, alors que Tony Brogniaux s'en allait seul. Il attendait le service d'Alex Diroco. Et Nianka, petite mésentente avec Teddy Bertin. Le ballon qui va être récupéré par Ndiaye. Qui réclame un coup franc. Et regardez le coup franc de Corentin Martins, c'est intérieur du pied. Et puis Roda tout seul qui met le ballon sur le poteau. Là aussi, c'est quand on est dernier, en général, ce type d'action va sur le poteau. Et quand on est en confiance et que tout va bien, ça va dedans.
En tout cas, déjà deux, voire trois bonnes occasions pour les Strasbourgeois qui n'ont pas réussi à ouvrir le score et j'ai peur que psychologiquement, ça leur pèse un peu aussi. Dirocco avec Brogno, ouais, la bonne combinaison avec Olivier Quint sur le côté gauche, poursuivi par Abibay. Olivier Quint qui est obligé de temporiser Brogno. Oh, comme c'est bien fait avec ce centre en retrait à ras de terre qui passe derrière toute la défense strasbourgeoise et notamment Teddy Bertin. Une belle action construite là avec ce ballon remis dans l'espace et cet excellent centre, la reprise intérieure du pied de Brogno qui passe au-dessus. Et là aussi une action de contre très limpide de la part des joueurs de Sedan qui excellent dans cette manière de jouer. Montero, Oliveira, autant pour moi, dégagé très loin ce ballon directement sur... En tout cas un match qui est ouvert... Parce qu'il y a déjà eu trois occasions de but pour les Strasbourgeois, deux occasions pour les joueurs de Sedan, cinq occasions en 12 minutes. Ça promet. L'ouverture de Teddy Bertin vers Nyanka, qui aura le soutien de Vincent Doucanti. Corentin Martin s'est bien fait avec cette déviation à destination de Peggy Lundula, qui se retrouve face à Oliveira. Centre à suivre juste derrière avec une intervention hasardeuse et Lundula, ce ballon sorti par Verchure avec Yannick Fischer qui écarte côté gauche. Nyanka, le centre de Nyanka contré par Oliveira. Fischer une nouvelle fois pressé par Moussa Ndiaye et Yannick Fischer qui s'infiltre avec Roda pour Doucanti. Ballon en profondeur destiné à Yannick Fischer et finalement ça ne donne rien. Oui, difficile de jouer la profondeur quand l'équipe adverse est si près de son but parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Quand c'est un petit peu long, c'est le gardien qui en bénéficie. Par contre, bon travail de Yannick Fischer là. Et là on voit le centre de Pierre Nyanka. Oui, avec Nicolas Sachir qui est gêné par son défenseur. Petite gêne avec Cédric Elzéar. Ndiaye s'impose de la tête juste devant Nyanka. Pas de problème derrière pour Teddy Bertin. Et la relance de Christophe Eguiman avec Jean-Christophe Devaux. Appel de balle en profondeur de la part d'Abibay. Ballon directement sur Cédric Elzéar. Doucanti. Première titularisation cette saison pour Vincent Doucanti, arrivé du Red Star. Nyanka. Les Strasbourgeois qui font circuler le ballon et qui parviennent à progresser sûrement. C'est surtout un aspect important pour se mettre en psychologiquement en confiance, le fait de redoubler les passes comme ça. Faute de Pierre Nyanka sur Moussa Ndiaye dont on vous parlait. Véritable feu follet sur le côté droit sedanais à Djaoud. Satora. En tout cas le scénario du match est bien en place avec une équipe strasbourgeoise qui a un petit peu de mal à se lâcher, puis une équipe de Sedan qui attend le bon compte, qui est très performante dans la récupération de ballon. Abibay directement sur Eguiman, pas facile à réaliser là. Ah non, au contraire, c'était un ballon qui était très difficile et qu'il a négocié avec beaucoup de culot et beaucoup d'adresse aussi. Et Lucien, toujours ce faux rythme là, hein, dans le match où on sent que personne ne souhaite véritablement emballer. Ouais, c'est tout à fait pareil, ça n'a rien à changer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Strasbourgeois, on sent qu'ils doutent et ils sont pas encore, ils ne se lâchent pas, même malgré toujours les efforts et les paroles de Claude Leroy qui continue de les pousser. Par contre, côté sedanais, Alex Dupont a demandé à ses joueurs de jouer un petit peu plus. Il n'était pas trop content du début de match de son équipe. Il leur a demandé de jouer en avançant et de ne pas reculer parce qu'il a estimé que l'équipe avait commencé la partie un petit peu trop bas. Donc ouais. Ça s'est rééquilibré un petit peu. Et pour corroborer ce que vous venez de dire, Lucien, il y a les paroles de Claude Leroy, les paroles aussi très importantes, rôle prépondérant de la part de Corentin Martins. Tout ça sous le regard d'Alex Dupont qui demande du jeu tout simplement à ses joueurs de se libérer, comme vous le disiez Gérard. Faute d'Elzéar sur Mamadou Bagayoko et un nouveau coup franc intéressant à négocier pour les Strasbourgeois. Vous savez, ce qui est important à Strasbourg, c'est le nombre de ballons que touchera Corentin Martins parce qu'il a quand même l'importance d'un leader, l'expérience. Mais c'est le virtuose. Donc, il est bien enveloppé, où on cherchait la tête de Stéphane Roda. Qui pour la deuxième fois a été bien placé au milieu de cette défense. Les coups de pied de Martins sont tellement travaillés qu'ils sont difficiles, même pour les défenseurs, à juger. On voit ce duel avec Montero.
Tiroco cherche à trouver des espaces du côté sudanais. Oui, on essaie de ne pas perdre le ballon trop rapidement, de façon à ce que l'équipe puisse se repositionner un peu plus haut. Allez, bonne incursion. Et... ouais, avec ce beau ballon, Moussa Ndiaye qui marque. Oh, quel coup de tonnerre ici au stade de la Méno. On parlait de cette capacité contre de la formation adonaise. Une nouvelle démonstration avec ce but signé Moussa Ndiaye, laissé complètement seul dans la surface de réparation. Ndiaye qui vient ouvrir le score après un peu plus de 16 minutes de jeu. On voit ça, Gérard. Et avec ce tir un petit peu manqué, la qui profite à Moussa Ndiaye pour venir tir de Quint qui va être dévié, repris par Moussa Ndiaye dans une défense alsacienne extrêmement passive. En tout cas, mauvais ballon, mauvais premier ballon pour le jeune Ejimin. Avec cette frappe un peu manquée de la part d'Olivier Quint et derrière la conclusion de Moussa Ndiaye pour ouvrir le compteur des Sudanais dans cette rencontre et leur permettre de mener 1-0, un véritable coup dur face à une formation strasbourgeoise. Alors là, qui va devoir éviter de tomber dans le piège du doute. Hein. Oui, et puis bon, un score qui convient parfaitement au profil de cette équipe sudanaise qui, à l'extérieur, a énormément confiance dans sa faculté à contrer, qui maintenant, avec un but d'avance, va avoir encore un peu plus d'espace. Par contre, regardez, immédiatement, psychologiquement, ça devient très très difficile pour cette équipe de Strasbourg. Premier but de la saison pour Moussa Ndiaye. Quatrième dans sa jeune carrière en première division. Lucien, du bord de la touche, vous devez sentir comme une chape de plomb sur les chaussures des joueurs de Strasbourg. Oui, là c'est sûr que c'est vraiment le scénario catastrophe pour l'équipe de Claude Leroy. Là, les joueurs ont pris bien sûr un gros coup sur le moral. Et même le banc de touche strasbourgeois, même Claude est dans une petite période de réflexion. Ils n'ont pas réagi, là, c'était la douche froide. Là, il y a quelques minutes de doute qui s'installe sur toute la Méno. Pardon. Juste un petit mot quand même pour... c'est vrai que les Sudanais ne sont pas malheureux d'avoir ouvert le score, parce que c'est vrai que Olivier Quint, je crois que c'est Olivier Quint, hein, oui, a raté sa frappe du pied droit. C'est vrai que c'est un gaucher, mais ouais, ça, la réussite, Ndiaye y était là. Tout à fait. Quand on dit que la réussite sourit aux audacieux, en l'occurrence... Sedan est une équipe qui est audacieuse, notamment à l'extérieur, où elle a vraiment très très confiance dans son système de jeu et elle profite parfaitement de la moindre faiblesse adverse. M. Colombo qui demande à Mamadou Bagayogo d'enlever sa boucle d'oreille. Immédiatement par Jacques Badet, l'arbitre remplaçant de cette rencontre, avec juste derrière cette tête de la part d'Abib Bey pour permettre à Sedan d'avoir la touche. Et regardez, Alex Dupont, toujours aussi concentré, toujours aussi sérieux. Elzer directement sur la tête d'Abib Bey. Elzer à la récupération avec Adjaoud. Montero avec Ndiaye. Et bon pressing de l'équipe strasbourgeoise là. Pour récupérer le ballon, mais le ballon est trop rapidement perdu de la part des joueurs de Strasbourg, ce qui profite à l'équipe ardennaise. Nianka, toujours ce duel avec Moussa Ndiaye, qui est l'avantage pour l'attaquant sudanais. Ah oui, c'est bien battu, il a récupéré le ballon dans les pieds du Strasbourgeois pour obtenir une touche en sa faveur. Et ça a pour conséquence de faire remonter son équipe de 50 mètres. Olivier Quint pour effectuer cette remise en jeu. Sudanaise cherche une solution, on va la trouver peut-être avec Tony Brogniaux, la lutte avec Yannick Fischer. Brogniaux toujours, on vient s'enfermer là sur ce côté gauche de la défense strasbourgeoise, avec à l'arrivée un 6 mètres en faveur des hommes de Claude Leroy. Et pour le moment, c'est à noter, Gérard, le public continue de soutenir sa formation. Oui, il la soutient, mais on ne peut pas dire quand même qu'il y ait une grosse pression qui la pousse. Le public est lui aussi abattu par le but des Sudanais et qui cherche à comprendre. Bagayoko avec Corentin Martins. Dans le dos d'Abib Bey. Petit ballon à destination de Mamadou Bagayoko avec la faute de Cédric Elzéar. Oui, dans les yeux de M. Colombo. Et un mot sur Claude Leroy qui a demandé à Daniel Ugoya d'aller s'échauffer. Donc
C'est vrai qu'il va certainement réagir à ce but sudanais en faisant rentrer certainement un deuxième attaquant et changeant certainement un petit peu de tactique pour la suite de cette rencontre. Oui, je pense que c'est un excellent acte de coaching. Il faut réagir au moins pour montrer qu'au groupe qui est sur le terrain, que psychologiquement l'entraîneur tente quelque chose. Là, l'équipe strasbourgeoise, après ces trois occasions ratées, a perdu un peu de confiance. Donc, il faut que l'entraîneur lui apporte un peu de renouveau sur le plan tactique. Christophe Eguiman pour la relance strasbourgeoise. Le ballon en profondeur où l'on cherche la tête de Mamadou Bagayoko. Ça sera celle de Luis Satora. Ballon récupéré par Doukanti directement sur Rajaoud. Verchure. Ouais, des Soudanais qui ne balancent pas et qui ont des relances très très propres et qui jouent dans les pieds, qui ne perdent pas le ballon, ce qui a pour conséquence d'obliger les Strasbourgeois à faire des efforts pour la récupération. Et quasiment toujours le même schéma tactique de la part des Soudanais. Récupération, conservation du ballon et derrière on renverse pour retrouver Moussa Ndiaye. Mais attention avec ce bon ballon donné par Corentin Martins vers Roda qui aura du soutien avec Mamadou Bagayoko. Là il ne faut pas s'enfermer, la frappe de Bagayoko directement sur Roda qui n'est pas en position de hors-jeu mais malheureusement qui commet une faute juste derrière sur Cédric Elzéar. Oui, Roda qui a fait preuve d'altruisme en essayant de renvoyer la faute incontestable. Roda qui aurait peut-être pu tenter sa chance sur sa prise de balle. Et derrière, c'est clair que sur la remontée ultra rapide de la part de la défense soudanaise, c'était dur à négocier pour Bagayoko. La tête de Diroko. Très utile là sur les longs ballons de sa défense ou de son gardien. Il les touche ou du moins il gêne le défenseur strasbourgeois dans la relance. Fischer a remis en retrait vers Christophe Eguiman. Bagayoko battu par Elziar de la tête. De nouveau à la lutte avec Alex Diroko et le coup franc sera en faveur des Alsaciens. Avec peu de mouvement là autour du porteur du ballon, chaque Alsacien est dans sa zone mais ça ne permute pas beaucoup. Bagayoko en profondeur, espèce d'open under pour remettre dans la surface soudanaise. La tentative manquée de la part de Corentin Martins qui est arrivé directement dans les pieds de Stéphane Roda et le pivot derrière passe assez largement à côté de la cage de Nicolas Sagi. Il continue à y rendre les dés malgré tout. Oui, un tir de Corentin Martins, c'est contrairement à celui de Sedan, il atterrit dans les pieds de Roda qui ne peut pas l'utiliser. Et toute la réussite du moment est assez symbolisée par ces deux actions, celle de Sedan et celle de Strasbourg. Sedan a marqué, Strasbourg n'a pas marqué. Fischer à la lutte face à Moussa Ndiaye pour récupérer avec une petite faute de la part de Montero sur Yannick Fischer. Coup franc en faveur du Racing Club de Strasbourg. Et la faute n'était pas sur Yannick Fischer mais sur Stéphane Roda. En revanche, sur son tacle, Yannick Fischer est bien resté allongé là au bord de la touche. Il semble toucher à la cheville gauche. Ndiaye suit un petit peu ses chaussures sur la jambe de Fischer, sur le mollet de Fischer. Donc, une équipe de Strasbourg qui, après ces trois occasions nettes d'ouvrir le score, paraît un peu piétinée devant cette équipe soudanaise bien placée et qui fait preuve de beaucoup de sang-froid technique. Nicolas Sachi cherche la tête une nouvelle fois de la part d'Alex Diroko avec une faute de Jean-Christophe Deveau sanctionné par Monsieur Colombo. Cela fait beaucoup de haut à l'arrivée. Ce sera un coup franc en faveur de Sedan. Adjaoud en retrait avec son capitaine Luis Satora. Avec Sachi qui aspire un peu cette équipe strasbourgeoise et ensuite gelant. Ça, la moitié de l'équipe de Strasbourg qui pressait battue. Favorable pour le moment, en tout cas pour cette formation soudanaise, oui, on peut se permettre l'attentisme. Oui, on sait que c'est ça, une de ses grands points de confiance. Quand en plus elle mène au score, ça décuple la volonté et puis le choix judicieux de jouer comme ça. Moussa Ndiaye est sollicité sur le côté droit, toujours à la lutte avec Pierre Nianka. La touche sera strasbourgeoise.
Oui, ça manque un peu de solution pour les défenseurs strasbourgeois au départ. La relance est difficile à assurer. Ils sont obligés de garder le ballon, donc de se prêter forcément au pressing des attaquants sudanais. Faute du Bucanti sur Tony Brogno, qui était à l'origine de cette récupération côté gauche. Ici, il y a une équipe de Strasbourg qui visiblement a perdu un peu de... même un peu beaucoup de confiance. Ouais, j'allais justement vous dire que actuellement le travail de Paul Leroy, de son staff technique, de tout le banc strasbourgeois, c'était surtout de remonter le moral des joueurs qui sont sur le terrain actuellement. On a vraiment la nette impression, en tout cas vu du bord du terrain, que ce but sudanais a vraiment coupé l'élan strasbourgeois et que là ils sont dans une très très mauvaise passe. Donc là, le Paul Leroy est en train de discuter avec ses adjoints et je vous le disais tout à l'heure, il y a fort à parier que Daniel Lugoya va faire son entrée très rapidement et que il va essayer d'apporter un petit plus devant, parce que c'est vrai que Lyungula est un petit peu seul. Et c'est vrai que depuis le but de cette année, les joueurs du Racing ont quand même pas mal reculé. Oui, puis Lugoya est quelqu'un qui est déjà qui va très vite, qui est un excellent dribbleur, donc qui peut en gagnant un duel procurer une situation ou même une occasion de but. Ouais, derrière, c'est la confirmation de ce que vous disiez messieurs, avec cette tête de Mamadou Bagayoko, mais personne à la récupération dans la surface sudanaise. Et voici Daniel Lugoya qui poursuit son échauffement avant de venir intégrer très rapidement, vraisemblablement avant la fin de cette première période, le secteur offensif alsacien. L'ouverture de la part de Corentin Martins directement sur la tête d'Elzéar. Corentin Martins d'ailleurs qui est descendu d'un cran pour venir récupérer le ballon dans les pieds, donc il est assez loin de son attaquant de pointe. Donc les seuls ballons qu'il peut donner, ce sont des ballons longs, facilement négociables pour les défenseurs. Eguiman. La tête de Roda directement sur Oliveira. Ndiaye à la lutte avec Nyanka, Brogno. Le ballon récupéré par Yannick Fischer. Une équipe de Strasbourg qui est véritablement coupée en deux là. Il y a les défenseurs et l'attaquant, les joueurs au milieu de terrain sont un peu submergés par l'organisation sudanaise actuellement. Ouais, malheureusement, le doute qui envahit la formation de Claude Leroy, on retombe dans les vieux travers du début de championnat, savoir sauter quasi systématiquement le milieu de terrain. Corentin Martins, depuis un bon quart d'heure maintenant, ne touche quasiment plus de ballon et on cherche beaucoup trop rapidement Peggy Lyundula, voire Stéphane Roda côté gauche. Attention avec Corentin Martins, là il y a un bon coup à jouer avec l'accélération de Martins. Oh, il y aura carton contre Mathieu Verschuer sur cette accélération de Corentin Martins. Oui, alors qu'il avait fait la différence, et à noter aussi la sortie de Bertin qui était venu s'intercaler au milieu de terrain pour apporter un surnombre et un soutien. Donc c'est par là que passe un peu la... Là on voit Martins là, qui commence à regarder ce qu'il va faire du ballon. Il est tenu par le maillot par Verschuer. On va bien le voir là, tiré par le maillot. Ouais, il avait des espaces, il les a exploités parfaitement, Corentin Martins. Il a réussi à faire la différence en l'espace de 20 mètres. D'où cette faute volontaire et acceptée de la part de Mathieu Verschuer sur ce premier carton jaune sorti par M. Colombo. Et derrière, un coup franc extrêmement intéressant pour les Strasbourgeois avec la combinaison à venir. Corentin Martins, Teddy Bertin, 30e minute dans cette première période. Et la bonne frappe de Bertin. Avec la frappe de Bertin contrée par Mathieu Verschuer, le ballon qui est récupéré par Peggy Lyundula sur la droite. Verschuer qui est sorti très très rapidement du mur. Lyundula qui centre pour chercher la tête de Roda, ça sera celle de Montero. Deveau avec Lyundula, obligé de décrocher un petit peu au milieu de terrain pour récupérer un peu plus de ballon. On combine avec Bagayoko à la lutte avec Oliveira. Bagayoko qui continue de se battre et qui obtiendra un corner en faveur du Racing Club de Strasbourg. Voilà un effort qui n'est pas vain de la part du jeune milieu de terrain offensif strasbourgeois. Oui, qui vient chercher le ballon dans les pieds du joueur sudanais et il obtient un corner qui peut procurer une situation chaude devant les buts de Nicolas Sachi. Avec le public de la Meno qui pousse sur ce nouveau corner tiré par Corentin Martins et le long dégagement de Luis Satora. Avec la rentrée à suivre, Lucien va nous confirmer de Daniel Lugoya. Oui, et puis pour vous montrer la volonté de Claude Leroy de revenir très vite au score, il fait bien sûr rentrer un attaquant. Il va faire sortir un milieu défenseur, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire Pierre Nyanka va laisser sa place à Daniel Lugoya. Donc un attaquant supplémentaire, comme je vous le disais, avec tout de suite des consignes de Claude qui lui dit
il faut harceler, il faut courir, il faut donner des solutions, enfin le maximum de choses pour essayer de revenir au score. Oui, Claude a été obligé de tenter quelque chose. Il le fait pour montrer que psychologiquement l'équipe a les moyens de réagir. Et puis il sent que ses joueurs ont besoin d'une petite innovation tactique, ce qu'il apporte. C'est en tout cas une bonne décision sur le plan psychologique. Et faire rentrer aussi tôt que cela Daniel Lugoya, qui lui aussi a traversé une belle crise de confiance, c'est peut-être aussi essayer de provoquer un déclic hein, chez ce joueur présenté comme extrêmement prometteur. On va suivre ce coup franc tiré par Corentin Martins, qui va chercher à récupérer juste devant Olivier Quin, la tête piquée d'Olivier Quin, et derrière la faute de Yannick Fischer sur Tony Brogno, avec le deuxième carton dans cette rencontre contre le défenseur strasbourgeois. On a un petit peu de retard là dans l'attaque de Yannick Fischer. Provoque un carton justifié. En tout cas, effectivement, Lugoya qui joue dans une équipe qui ne tourne pas, donc c'est plus difficile. En plus, il arrive de l'extérieur. Donc, il trouve un contexte qui ne lui est pas très, très favorable à lui à faire tourner les choses. Alors que là, on voit le coup franc de Yannick contre Yannick Fischer. Satora, destination de Brogno. Gagne la quasi-totalité de ses duels aériens, à l'image d'Alex Di Rocco aussi. Effectivement, il saute au bon endroit, il a un bon timing et il gêne énormément les défenseurs chargés de son marquage. Mine de rien, ce sont des petits duels gagnés qui font avancer l'équipe soudanaise et qui mettent en difficulté l'équipe strasbourgeoise. Ezear en profondeur, toujours pour solliciter le Belge. Tony Brogno à la lutte avec Yannick Fischer. On va tendre du soutien. C'est bien fait, ce crochet avec le centre de la part de Brogno. Et oui, dans la surface de réparation, il y a un spécialiste dans le domaine des duels aériens, en l'occurrence Alex Di Rocco. Oui, tout à fait, qui a pris le dessus d'ailleurs sur le défenseur central en touchant le ballon de la tête. Mais regardez l'action très technique de Brogno, cet excellent centre avec Di Rocco qui parvient à toucher ce ballon. Il va chercher la tête décroisée, Alex Di Rocco, il est un peu court au niveau de son timing. Sur l'impulsion, on revoit ce superbe centre de la part de Tony Brogno. Il n'aura pas tardé, Gérard, à trouver ses marques dans cette formation soudanaise. Non, tout à fait. Puis c'est encore plus facile quand l'équipe tourne bien, comme tourne l'équipe d'Alex Dupont, avec une organisation qui est bien mise en place, bien rodée, bien huilée. En tout cas, des Soudanais qui maîtrisent assez tranquillement le déroulement de la rencontre. Roda à la récupération, côté gauche. Ce ballon en profondeur destiné à Daniel Lugoya et l'intervention décisive d'Oliveira. Je joue rapidement cette touche. Martins avec Habib Bey qui est venu se positionner sur le côté gauche en lieu et place de Pierre Nyanka, remplacé par Daniel Lugoya. Et ça n'empêche pas la récupération juste derrière de la part de Tony Brogno. Petite incompréhension avec Olivier Quin et Alex Di Rocco est venu se battre. Ça aussi, c'est une particularité, une caractéristique, pardon, j'y arrive, de Sedan, à savoir que dès que le ballon est perdu, eh bien, tout le monde se transforme en stopper pour chercher la récupération. Oui, tout le monde est concerné dans la récupération collective. En tout cas, des joueurs de Sedan qui, pour l'instant, au milieu de terrain, font tourner le ballon et ont la possibilité de le conserver. Et Brogno qui se bat avec cette fois-ci Bagayoko. Un peu en difficulté là, les Strasbourgeois au milieu de terrain. N'est-ce pas, Lucien? Oui, pardon Gérard, j'ai pas bien entendu parce que j'étais en train d'écouter le banc strasbourgeois. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? On dit qu'on remarque des Strasbourgeois en difficulté au milieu de terrain, où les Soudanais ont visiblement la possibilité de garder et de contrôler le jeu. Oui, on a l'impression que le repositionnement tactique et l'entrée en jeu de Daniel Lugoya a un petit peu perturbé le milieu de terrain strasbourgeois, qui se cherche un petit peu. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'espace que depuis le début de la rencontre. C'est vrai qu'il y avait deux lignes au départ, deux lignes de trois joueurs, et là ça s'est un petit peu dispersé. La tête de Bagayoko, le ballon récupéré avec Verchu au milieu de terrain qui fournit un travail énorme. En fait, c'est Martins qui a été obligé de descendre d'un cran aussi pour épauler son milieu de terrain défensif. Habib Bey face à Olivier Quin, cherche une solution, va la trouver avec Daniel Lugoya, pressé par Satora. Et ça, c'est toute la qualité technique de Lugoya qui vient de faire la différence avec l'ouverture côté gauche vers Stéphane Roda. Mais l'excellente lecture du jeu de Juan Luis Montero qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Oui, on a vu toutes les qualités de vivacité de Lugoya qui peut
par des actions comme ça, retrouver rapidement toute la confiance qu'on lui connaissait quand il était à Sochaux. Et un ballon récupéré par Adjaoud, Ndiaye vers Alex Diroco, seul attaquant sudanais présent pour le moment dans la zone strasbourgeoise. L'ouverture vers la tête de Bagayoko, toujours à la lutte avec Cédric Elzéar, et derrière il faut ce retour du capitaine sudanais. Oui, Satora. Bonne couverture du latéral par le défenseur central Satora. Abibey pour effectuer cette touche. Nous sommes dans le dernier quart d'heure, voire un peu plus de cette première période. Et nouveau corner strasbourgeois grâce à cette belle lutte de Mamadou Bagayoko. Après là, on voit la longue ouverture de Bertin sur le côté, là, la couverture de Satora. Ça peut être une arme précieuse avec le public de la Meno qui pousse une nouvelle fois. Gros plan sur Teguignum Doula. Le ballon bien enveloppé de la part de Corentin Martins. Personne au point de chute. À la récupération derrière, il y a ce ballon pour Stéphane Roda. Personne en position de hors-jeu. Et le centre de Corentin Martins, sorti en catastrophe d'Adjaoud. C'est pas terminé. Avec Abibey, la remise. Oh, il est complètement seul, Daniel Louboya, qui n'exploite pas ce ballon. Quelle occasion une nouvelle fois, et c'est pas terminé avec ce centre contré de Stéphane Roda qui va permettre à Strasbourg d'avoir un nouveau corner, Gérard. Oui, beaucoup de ballons qui passent devant la cage de Nicolas Sachi, là, sans qu'aucun défenseur ne l'intercepte. Beaucoup de laxisme sur ces deux ou trois actions. Stéphane Roda pour effectuer ce corner, bien enveloppé une nouvelle fois directement sur Nicolas Sachi. Important ce qu'il réalise le gardien sudanais là. Oui, celle-là elle était importante déjà pour assurer ses défenseurs, puis pour stopper cette série de ballons fuyant les défenseurs sudanais. Regardez là, oui, on voit que Luboya ne peut le reprendre alors que tous les défenseurs sudanais étaient beaucoup trop avancés, personne n'interceptant le ballon. Oliveira avec Satora, Elzéar. On va chercher à écarter le jeu pour trouver un peu plus d'espace du côté sudanais. Oui, mais le pressing strasbourgeois n'est plus efficace. Les joueurs sont très très loin les uns des autres. Donc ça permet aux joueurs sudanais de jouer dans les intervalles. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de pression. Elzéar avec Adjaoud. Chercher une solution, petit ballon piqué, la louche à destination de Olivier Quint et l'intervention de Teddy Bertin pour remettre directement sur la tête de Satora au pressing, marquage individuel pour le moment de la part du capitaine sudanais sur Daniel Louboya. On a compris le danger de l'attaquant yougoslave de Strasbourg. Oui, et puis notez aussi la grande maîtrise technique des joueurs de Sedan qui pour l'instant parviennent à construire leur jeu. Ndiaye avec Grogno. Aïe, pratiquement plus de pressing là, des joueurs de Strasbourg, notamment au milieu de terrain. Où les joueurs sudanais ont tout loisir de préparer et de jouer leur coup. L'ouverture d'Elzéar avec cette communication un peu tardive entre Christophe Aguiman et Yannick Fischer. Plus de peur que de mal et ça repart juste derrière avec Roda. Le ballon à destination de Lyun Doula directement sur Moussa Ndiaye. Bien concédé la touche juste derrière. Un facteur important, on l'a dit en ouverture de cette rencontre. 34 degrés ce soir au-dessus de Strasbourg. Ce sont des conditions extrêmement lourdes pour évoluer. Alors c'est le cas aussi pour les Sudanais. Mais la pression supplémentaire qu'il y a sur les épaules des Strasbourgeois fait que les organismes sont peut-être plus rapidement émoussés. Oui, c'est dur là pour l'équipe de Strasbourg, c'est extrêmement dur parce qu'on sent que les joueurs sont tétanisés par à la fois l'enjeu et puis par ce qu'ils ont vécu ces derniers temps. Ah, c'est bien fait, ça entre Lyun Doula et Daniel Louboya qui va servir Stéphane Roda. La récupération et le duel à suivre face à Montero. Roda qui va pouvoir s'en sortir, le centre avec la tête et le but. Non, oui, ça y est, ça rentre. Oh, la première tête initiale de la part de Peggy Lyun Doula et derrière la conclusion, elle est signée à Vipay. Le tout à 5 minutes de la fin de cette première période. Strasbourg, enfin, pour nous dire, Gérard, vient concrétiser les nombreuses occasions depuis le début de ce match. Oui, ça va leur faire du bien parce que là aussi, il a fallu s'y reprendre à deux fois et peut-être pour conjurer le sort, ce but arrive au bon moment pour les Strasbourgeois. On va voir là le centre avec ce crochet intérieur de Roda. Encore un ballon qui fuit les défenseurs, cette balle sur la transversale et cette reprise de David Bey. Oh, comme il est bien fait ce travail de la part de Stéphane Roda qui vient mystifier Montero et derrière le centre parfait pour la première tête initiale de Peggy Lyun Doula qui vient se jeter juste devant Satora.
transversale. Et il a fallu cette fista d'Habib Bey pour venir placer ce ballon juste en dessous de la barre. Oui, tout à fait. En tout cas, un but qui va certainement redonner confiance à une équipe de Strasbourgeoise qui était un petit peu à la peine ces 20 dernières minutes et qui maintenant va pouvoir recommencer son match. Elzéar, surtout cette touche à destination de Quin, ballon récupéré par Olivier Quin, cherche une solution avec Elzéar. Oh, c'est bien fait une nouvelle fois. La distribution avec Adjaoud, ballon en profondeur à destination de Dendiaye et la bonne présence de Christophe Eguiman. On verra à la fin de la rencontre si ce but d'Habib Bey n'est pas tout simplement le véritable déclic strasbourgeois pour ce début de saison, Gérard. Oui, en tout cas, il était important, ne serait-ce que pour ce match et pour permettre à l'équipe de Strasbourg de continuer à le jouer. Et derrière, c'est pas terminé avec Oliveira qui vient s'imposer juste devant Liuboya. Relance un petit peu rapide de la part de la défense sudanaise. Il faut dire qu'il y avait quand même eu quelques alertes sérieuses 5 minutes avant sur ces 2 ou 3 ballons qui étaient passés devant dans le dos des défenseurs et devant le gardien. Et là, effectivement, le même type de ballon a donné le but. Ouais, c'est bien fait de la part de Bagayoko qui ne s'impose pas au final face à Elzéar. Diroko. Toujours à la lutte avec Devaux, le ballon récupéré par Habib Bey. Oh, et Bey qui va pouvoir s'infiltrer, le crochet juste devant Elzéar pour venir s'infiltrer dans la surface. Le centre contré avec un 6 mètres annoncé contre les Strasbourgeois et qui va permettre aux Sudanais qui souffrent depuis quelques instants, Gérard, de sortir loin, très très loin de leur zone. Oui, tout à fait, la confiance a changé de camp alors que là on voit l'intrusion de Habib Bey qui va venir fixer le défenseur sudanais. Alors que là on revoit le but transversal et puis cette tête qui fait mouche et qui relance l'équipe de Strasbourg dans son match. En tout cas une équipe de Sedan qui a pêché un peu par laxisme sur le plan défensif, surtout ces ballons, ces transversales ou ces centres. Avec ce ballon récupéré par Ndiaye, chercher l'ouverture en profondeur à destination d'Olivier Quin. Et derrière, c'est reparti avec cette longue ouverture de Teddy Bertin. Sur la tête de Satora, Corentin Martin Soba, tout comme Mamadou Bagayoko, toujours à la lutte avec Elzéar. Boubouya, devancé par Luis Satora. Et ça va permettre la nouvelle récupération. Strasbourgeois sur la touche, jouer rapidement. Et l'équipe de Strasbourg qui pousse beaucoup sur son côté droit. Bagayoko, il attend une solution, seul face à Elzéar. Peut-être chercher le corner et ça ne sera pas la solution trouvée là par Mamadou Bagayoko avec la bonne récupération Elzéar. Adjaoud. Qui est sorti suite à ce double contact de Yannick Fischer face à Tony Brogno. On sent des Alsaciens volontaires là. Hein. Lucien va peut-être pouvoir nous le confirmer. Volontaires parce qu'ils aimeraient bien faire la différence. Une minute de temps supplémentaire dans cette première période. Faire la différence dans cette première mi-temps. Diroko. Oui. Jean-Charles. Oui, Lucien. Oui, pardon. Oui, vous avez parfaitement raison parce que là, c'est vrai que ça change tout du tout. Le moral est ayant changé de côté. On peut dire que les Sudanais l'ont perdu, mais c'est-à-dire c'est surtout celui des Alsaciens qui a changé. C'est vrai que par rapport à avant l'égalisation, ça change complètement. Et là, ils essayent de tout pour le tout, mais il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Et je pense que c'est de bonne augure pour la seconde période pour l'équipe du Racing. Ouais, le jeu se déroule souvent devant vous, Lucien, hein, avec un côté droit qui est nettement plus entreprenant que le côté gauche de l'équipe de Strasbourg. Oui, mais malgré pourtant les conseils de Claude Roy qui demandent à Bagayoko de jouer un petit peu plus dans l'axe, c'est-à-dire qu'il aimerait bien qu'il serve un petit peu d'appui pour Luboya et Lumundula, c'est-à-dire qu'il serve un petit peu de remiseur comme il est grand et qu'il a un bon jeu de tête, il aimerait bien qu'il soit un petit peu plus axial. Attention à ce corner tiré par Corentin Martins avec ce ballon enveloppé, ça revient au deuxième poteau avec Mathieu Verchure qui est obligé de dégager en catastrophe et cette première période eh bien, s'arrêtera sur cette nouvelle occasion claire, nette et précise de la part des Strasbourgeois. Un partout, c'est le score à la mi-temps pour le moment avec un Claude Leroy qui souffle quelque peu parce que c'est vrai, on l'a noté, on l'a rappelé, il y a eu des occasions très franches. On s'est demandé si Strasbourg allait réussir à les mettre au fond. Finalement, c'est venu à 5 minutes de la mi-temps grâce à Habib Bey. Mais Sedan eh bien, avait ouvert le score. On va entendre la réaction d'Olivier Quin au micro de Lucien Nabila. Oui, Olivier, on a eu l'impression que vous étiez relativement tranquille en début de rencontre. Vous avez ouvert le score
avec un petit peu de réussite, c'est parce que je crois que vous avez un petit peu raté votre frappe, ce qui a profité à Ndiaye. Mais ensuite, les Strasbourgeois ont poussé, vous ont quand même mis en difficulté sur les dernières minutes. Ouais, le problème c'est qu'on a ouvert le score et après on a reculé, donc on joue trop bas. Et à partir de ce moment-là, Strasbourg nous presse et puis on n'arrive plus à sortir. Et puis ils ont égalisé logiquement au vu des occasions qui se sont créées. Maintenant il faut qu'on rejoue au football, je crois on joue plus, on n'arrive plus à la sortir. On n'est pas assez disponible, ce qui fait que Strasbourg a égalisé logiquement, je dirais. Alex Dupont, votre entraîneur, disait, enfin pendant la première mi-temps, il disait à vous et à vos partenaires de jouer sur les côtés, qu'il y avait certainement des coups à jouer dans le dos des défenseurs strasbourgeois. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, sur le terrain? Oui, c'est clair. Mais au départ, ils jouaient à 5 derrière, donc il y avait un petit peu d'espace. Ils sont venus à 4 avec deux latéraux spécifiques, donc ça va être un petit peu plus difficile. Mais le problème, c'est que devant et les milieux offensifs, on ne propose pas assez de solutions aux défenseurs et aux milieux défensifs, ce qui fait qu'on ne sort pas le ballon. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des opportunités à saisir. Maintenant, on s'attend à une deuxième période difficile parce que Strasbourg va pousser, va vouloir la victoire. Bon, reposez-vous bien et votre deuxième mi-temps. Pas l'analyse aussi de la part d'Olivier Klein, milieu de terrain sedanais. Très lucide, mais il faut aussi remarquer que l'équipe de Sedan souffre énormément sur tous les coups de pied arrêtés de Corentin Martins, où visiblement les défenseurs sont en difficulté devant le jeu de tête strasbourgeois. Et là-dessus, je crois qu'il va falloir que Alex Dupont fasse... preuve de son autorité naturelle. Ouais, à noter, à ressortir l'énorme travail aussi effectué au milieu de terrain de la part de Mamadou Bagayoko. On cristallise le rôle extrêmement important de la part de Corentin Martins, mais les actions les plus dangereuses, vous l'avez noté tout à l'heure, Gérard, elles passent par ce côté droit avec un Mamadou Bagayoko, un duel finalement avec Cédric Elzéar qui est absolument somptueux. Oui, le jeu de Strasbourg penche effectivement du côté, sur son côté droit avec Bagayoko qui est très physique et qui essaie de faire la différence. Ce sont les Sedanais à la 19e minute qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Moussa Ndiaye suite à une frappe un petit peu dévissée de la part d'Olivier Quin. Derrière, ce service de Daniel Louboya pour Stéphane Roda va permettre à Strasbourg enfin de souffler. Petit crochet juste devant Montero. Première tête de Liundula sur la barre et derrière la conclusion d'Abib Bey qui marque là son premier but dans cette saison 2000-2001. Un but particulièrement important pour le Racing Club de Strasbourg. Important tout simplement parce que c'est seulement le troisième depuis le début de l'année, après celui inscrit par Daniel Louboya au Parc des Princes et après celui inscrit sur coup franc par Corentin Martins face à Monaco. Et voilà, c'est la pause pendant un quart d'heure. On va en rester là sur cette joie strasbourgeoise. Il va falloir rester concentré encore pendant 45 minutes et on fera les comptes à la fin de cette rencontre histoire de souffler quelque peu. Et bien, je vous propose, juste après cette action énorme suite à ce centre d'Abib Bey à destination de Louboya, je vous propose de voir ensemble les temps forts de la journée précédente, à savoir la quatrième journée. C'est parti. Voilà pour ce retour complet sur la quatrième journée du championnat de France de football. Au cas où vous n'y étiez pas devant vos écrans, l'effet majeur important dans cette première mi-temps ici au stade de la Méno avec cette égalisation strasbourgeoise grâce à cette tête d'Abib Bey. Il faut quand même noter que Sedan avait ouvert le score par l'intermédiaire de Moussa Ndiaye suite à une belle frappe d'Olivier Quin, enfin belle frappe dévissée, en tout cas qui fait le bonheur des Ardennais. Travail important du côté strasbourgeois de la part de Corentin Martins, de la part de Mamadou Bagayoko aussi. Que s'est-il passé sur les autres stades de France à l'occasion de cette première mi-temps de la cinquième journée du championnat de France de football? Voici les résultats avec une situation qui ne va pas très très fort du côté de Bordeaux, mené 1-0 par Lens. Je vous laisse découvrir les autres résultats. Ça ne va pas très très fort à Lille, on le découvre avec vous tout simplement. Et résultat marseillais plutôt favorable pour le moment, 1-0 face à Guingamp, et Monaco mené sur la pelouse de Rennes. Et Nantes poursuit sa belle aventure en menant 1-0 face à Toulouse. On vous l'a rappelé durant le résumé complet de la quatrième journée. Toulouse qui a une défense complètement décimée suite aux trois expulsions de la dernière journée. C'était sur la pelouse de Lens. Expulsion de Carotti, Prunier et Lièvre. Alain Giresse a dû avoir quelques problèmes pour concocter sa défense aujourd'hui. Il y aura un autre match important sur un terrain alsacien, ça sera demain avec Mulhouse en CFA qui reçoit l'équipe de Calais. Tiens, c'est l'occasion pour nous de se rappeler ce qui s'est passé depuis la formidable aventure calaisienne en Coupe de France. On voit ça ensemble.
Oui, une formation calaisienne qui a gardé les pieds sur terre et qui sera donc en déplacement à Mulhouse. Les faits majeurs importants en résumé et en images avec une formation strasbourgeoise dans la première période. Gérard qui a attaqué tambour battant. Oui, le premier tir poussé par Nicolas Sachy dès le début du match. Ensuite, deuxième occasion, Sachy est à nouveau sur la trajectoire du ballon. Une équipe de Strasbourg qui avait bien commencé le match avec beaucoup d'occasions, notamment sur tous ces coups de pied arrêtés où Rodin l'a mis sur le poteau. On s'aperçoit déjà que les défenseurs sudanais sont en difficulté sur ce type de ballon. Et on dira même que, compte tenu de ce que l'on a vu de la formation strasbourgeoise depuis le début de saison, c'est un début de match type pour les hommes de Claude Leroy, qui pressent, qui poussent, mais qui n'arrivent pas à conclure. Et derrière, on s'expose au contre. Ça a été le cas face à Lille, ça a été le cas face à Monaco, et c'est une nouvelle fois le cas ici face à Sedan. Oui, tout à fait. Et sur une remise en jeu de la touche, on va voir Quint qui a changé de côté avec une frappe qui l'écrase du pied droit, puis Ndiaye est placé sur la trajectoire du ballon. Il ne manque pas l'occasion d'ouvrir le score, ce qui va provoquer un énorme désarroi dans la public de la Méno et surtout psychologiquement qui va peser sur les épaules des joueurs de Strasbourg. Et Strasbourg qui va continuer à pousser dans cette première période. On joue la 41e minute dans cette première mi-temps. Et regardez ce mouvement. Stéphane Roda, le centre pour la tête de Peggy Lyundula. La barre transversale, mais derrière, Habib Bey a suivi pour être déterminant, décisif. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Énorme soulagement, on ne vous le cache pas, dans la tribune de la Méno. Vous voyez, à nouveau un ballon, un nouveau centre qui est mal négocié par les défenseurs sudanais, et comme en début de match, mais cette fois ça fait mouche, ça relance Strasbourg dans la partie. Ouais, les Strasbourgeois heureux qui vont chercher à pousser durant la minute supplémentaire attribuée par M. Colombo dans cette première mi-temps. Mais Strasbourg qui ne réussira pas à faire la différence. On a retrouvé un vrai moral et les 22 acteurs qui vont revenir sur la pelouse avec la sortie du vestiaire de la part des Sudanais. En principe, il ne devrait pas y avoir de changement imposé, du moins dans les premières minutes, de la part d'Alex Dupont. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Je suppose qu'Alex Dupont a dû dire à ses joueurs d'être un petit peu plus vigilants sur tout ce qui est coup de pied arrêté et sur ces longs centres où les défenseurs ont quelques difficultés. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de changement. Ouais, et déterminisme strasbourgeois, détermination plutôt strasbourgeoise qui se démontre là avec tous les joueurs alsaciens qui sont sortis bien avant les Sudanais pour se concentrer, se mobiliser au milieu de terrain pour essayer surtout d'éviter l'erreur qui a coûté ce premier but dès la 19e minute. Alex Dupont, lui, a dû modifier quelques petites choses, notamment dans la récupération au milieu de terrain. Il faut aller plus vite vers l'avant avec Brogno et Diroco. Hein. Jean-Charles ? Oui, avec Alex Dupont. Alex, on vous a vu beaucoup parler à vos joueurs pendant la première période. Vous avez été un petit peu, je crois, pas très content du début de rencontre de la partie. Après, il y a eu le but de votre équipe. Et puis après, vous étiez un petit peu en difficulté. Oui, on a même été souvent en difficulté devant une équipe de Strasbourg qui, il faut le dire, est loin d'être moribonde, qui vend chèrement sa peau, qui fait un football de qualité. On a beaucoup de mal à y répondre, beaucoup de déchets techniques dans notre jeu. On a du mal à sortir les ballons. C'est certes dû au pressing des Strasbourgeois, mais je crois aussi qu'il y a... On est assez inhibé par la peur de jouer. Et ça nous a handicapé durant cette première mi-temps. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs pour la seconde période? Vous avez changé quelque chose tactiquement au niveau des joueurs aussi? Non, pas tactiquement, mais simplement d'essayer de sortir les ballons un peu plus proprement en passant par nos milieux et par poser le ballon en terre. Bonne deuxième mi-temps, à tout à l'heure. Merci. Beaucoup de lucidité là, une nouvelle fois pour Alex Dupont. Ce qui surprend toujours les observateurs, Gérard, parce que cette formation sudanaise n'en est qu'à sa deuxième saison en première division, et ce dans son histoire. Mais on sent déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de recul par rapport à la situation. Oui, elle est très complémentaire. Chaque joueur est dans son meilleur rôle, donc s'appuie sur une organisation qui est très collective, très complémentaire. Et à partir du moment où cette équipe-là est très soudée, où les lignes sont peu espacées, elle est difficile à manœuvrer. Avec un premier ballon négocié immédiatement par Ndiaye, avec la récupération de Doucanti, et tout de suite ce pressing strasbourgeois avec le centre qui vient sur la tête d'Oliveira. Ballon récupéré par Quint qui commet une petite faute sur Mamadou Bagayoko. Ça n'a pas échappé à Monsieur Colombo, pas forcément d'accord le milieu de terrain sudanais. En tout cas, un coup de pied arrêté qui dès le début de la deuxième mi-temps va mettre la pression sur le but de Nicolas Sachy.
Ouais, parce qu'on va retrouver peut-être le coup de patte de Corentin Martins, même si c'est Daniel Louboya qui est venu se saisir de ce ballon. Alex Dupont parlait de ces ballons qui doivent être à terre dans le milieu de terrain ce dernier. Ça ne nous étonnerait pas de voir Olivier Quin toucher beaucoup plus, d'être beaucoup plus mis en position de relayeur. Hein. Oui, peut-être. En tout cas, attention à cette frappe du gauche de Louboya qui a lui aussi une remarquable technique de coup de pied arrêté. Daniel Louboya dans une position qu'affectionnait un ancien Strasbourgeois, David Zitelli, parti aujourd'hui du côté d'Hibernian, ça, avec cette frappe enveloppée directement sur Nicolas Sachi, qui avait parfaitement lu lui aussi la trajectoire de ce ballon. Oui, bien frappé avec beaucoup d'effet, et encore qui se penche vers l'avant avec Nicolas Sachi impeccable dans sa prise de balle. Ouais, pour revenir sur Alex Dupont, et il nous a dit qu'il n'y avait pas de changement tactique, mais il y a eu un changement au niveau des joueurs, puisque il y a un remplacement en poste pour poste, puisque Pascal Gourville a remplacé Cédric Elzéar sur le défense latérale gauche. Ouais, Cédric Elzéar qui a été particulièrement sollicité. On va peut-être ménager là aussi les organismes dans cette formation sudanaise. Oui, mais je crois que, comme on l'avait dit tout à l'heure, le jeu se passait pratiquement que de son côté, et puis peut-être qu'Alex Dupont a dû préférer la morphologie de son nouveau défenseur à celui d'Elzéar. Avec un ballon récupéré par Habib Bey qui va chercher à relancer la machine alsacienne pour venir provoquer Gourville justement avec une obstruction, la première du défenseur sudanais face à ses tentatives de grand pont. Habib Bey complètement séché sur ce coup-là. Ouais, il s'en tire bien parce que l'obstruction est caractérisée. Ça va permettre à Strasbourg de récupérer un nouveau coup franc et de venir se positionner aux abords de la surface de réparation de Nicolas Sachi, même si pour le moment ils ne sont que deux dans cette position-là, en l'occurrence Daniel Louboya et Stéphane Rodard. Voilà. Ducanti, Bagayoko, Lyundula sont présents maintenant pour venir porter le danger. Teddy Bertin cherche au deuxième poteau la tête de Fischer, ballon piqué avec la récupération un peu en catastrophe de la part de Montero. Brogno dans le dos de Diroco et ça ne profitera pas à Ndiaye. En tout cas, un début de deuxième mi-temps qui semble propice aux joueurs de Claude Leroy qui délibérément joue très très haut alors que l'équipe de Sedan paraît être un peu acculée devant son but. Une bonne protection de Montero qui a permis de garder, de conserver ce ballon pour obtenir un 6 mètres. Permettre à Nicolas Sachi de lancer enfin le jeu ardennais dans cette seconde période avec Brogno à la lutte avec Fischer, va venir solliciter Guiman qui pour le moment fait un sans faute dans ses relances au pied. On a eu l'occasion de le voir dans une position beaucoup plus délicate en première période. Gourville en profondeur vers Quin, très trop puissant, qui a été légèrement touché au passage par le talent de Quin. On va voir la longue relance dans le sens de la profondeur et ce ballon qui est touché par les talents de Quin qui finit en touche. Avec un ballon récupéré par Daniel Louboya, extérieur pied gauche à destination de Peggy Lyundula. Il y a des espaces avec Stéphane Roda qui vient s'infiltrer sur la gauche. Et la frappe de Roda qui est contrée par Montero, pas du tout content du placement de ses coéquipiers en défense sur ce coup-là. Oui, c'est un ballon qui est parti de très très loin et on voit que c'est du 2 contre 1 pour les Strasbourgeois avec ce décalage au Roda, mais le tir est contré. Attention à ce corner avec Stéphane Roda pour le tirer. Beaucoup beaucoup de monde dans la surface de réparation de Nicolas Sachi. Roda, ballon enveloppé avec Sachi un peu en difficulté. La frappe juste derrière, celle de Corentin Martins. Déviation de Mamadou Bagayoko et la tentative de tête au deuxième poteau de Peggy Lyundula qui ne passe pas. Oui, en tout cas une frappe de Martins est retouchée par un Strasbourgeois. Une bonne occasion de but qui était un peu similaire tout à l'heure au but marqué par les Sudanais, mais le ballon file en sortie de but. Ouais, situation extrêmement chaude et là on voit Nicolas Sachi un peu gêné dans sa sortie par Daniel Louboya. La tentative de frappe appuyée de Corentin Martins et derrière il manque un mètre quasiment à Peggy Lyundula pour venir conclure. Les Strasbourgeois qui ont bien repris la seconde mi-temps avec beaucoup plus d'agressivité, ce qui provoque pas mal de déchets techniques dans cette équipe sudanaise. Ouais, à l'image de la bonne sortie de Devaux, juste devant Diroco qui permet la récupération. Roda avec Lyundula, appel de balle de la part de Corentin Martins. Martins avec Peggy Lyundula, on se complique un petit peu la vie là. Corentin Martins s'impose juste devant Oliveira. Martins toujours avec Peggy Lyundula pour s'infiltrer dans la surface. Lyundula pour la frappe en retrait. Oh, incroyable! Incroyable occasion manquée. Ah oui, là on peut considérer que Louboya est très malheureux sur ce coup parce que
Le ballon était très très proche de la ligne de but. Martins, avec sa, toute sa dextérité, avait réussi à trouver le bon décalage. Et là, on va voir le centre qui manquait de peu par lui. Par Luboya, oui. C'est la deuxième fois dans cette rencontre que Daniel Luboya manque une occasion. On dira pas quasiment toute faite, parce qu'elle n'est jamais toute faite. Non, mais regardez ce centre idéal. Il est sur un mauvais appui et le temps qu'il réajuste, le ballon est passé. Et quel travail à la base de Corentin Martins et de Peggy Lyundula. En tout cas, les Strasbourgeois qui pour l'instant, depuis le début de la deuxième mi-temps, paraissent maître du jeu. Ndiaye une nouvelle fois pour venir provoquer le bon tacle de la part de Yannick Fischer avec ce ballon récupéré par Daniel Luboya qui vient solliciter Peggy Lyundula sur la gauche. Lyundula face à Satora, il est obligé de temporiser pour attendre une solution et l'intervention décisive de Gourville. Allez, bonne interception là, du défenseur latéral soudanais parce qu'il y avait encore du 2 contre 1 et un face à face avec le gardien. Attention à ce centre de cas avec une position de hors-jeu de Tony Brogno. Il faut que les Strasbourgeois se méfient parce que Sedan, quoi qu'il en soit, n'a pas perdu sa capacité de contre dans ce match. Oui, tout à fait. Maintenant, ils sont très très bas sur le terrain, donc ce qui veut dire que les attaquants ont beaucoup d'espace. Et quand on connaît leur capacité de course, effectivement, ça peut leur procurer des occasions. Montero avec Verschuur cherche une solution. Beaucoup d'espace entre les lignes là aussi. Hein. Depuis le début de cette seconde période dans cette formation soudanaise, Montero va pouvoir trouver Olivier Quint. Appel de balle sur la droite de la part d'Ndiaye. Là, il y a un bon coup à jouer face à Fischer. Ndiaye est toujours avec Olivier Quint qui va amorcer sa frappe. Ce ballon en profondeur. Et Olivier Quint un peu touché là sur l'intervention de Yannick Fischer. Olivier Quint qui s'était déplacé de son côté, il était venu dans l'axe pour apporter la supériorité numérique et éventuellement pouvoir frapper. Mais là, on voit que Fischer va sortir très très vite sur l'attaquant soudanais. Il ne laisse pas le temps d'armer et de frapper. En tout cas, une équipe strasbourgeoise qui est bien repartie dans ce début de deuxième mi-temps avec une énorme occasion manquée. A eu pour effet de provoquer une réaction des Soudanais. Directement sur Ducanti. C'est Ducanti qui trouve des espaces devant l'India et qui cherche à renverser à destination de Stéphane Rodin directement sur Montero. Verschuur avec Olivier Quint. Effacer Corentin Martins, ballon en profondeur avec Dirocco. La bonne couverture de la part de Yannick Fischer avec un coup franc en faveur des Strasbourgeois. Dirocco qui va essayer de récupérer ce ballon, mais pour le récupérer, il touche un petit peu Fischer. Visiblement, il a pu se mal tomber. Pendant ce temps-là, Claude Benoît attendait à l'ensemble de son banc d'aller s'échauffer, en l'occurrence Pascal Camanini, Brahim Emdani. Il y a aussi Gonzalo Belloso, alors que l'on revoit cette intervention d'Alex Dirocco et un cop strasbourgeois qui donne de la voix depuis le début de cette seconde période, complètement dominée par les Alsaciens, Gérard. Oui, ils ont bien repris la deuxième mi-temps, poussant très très bas cette équipe de Sedan qui a visiblement mis un peu de temps pour refaire surface. Fischer avec une faute de Dirocco une nouvelle fois sur le défenseur alsacien. Intervention de Monsieur Colombo. Teddy Bertin va temporiser quelque peu pour relancer proprement le jeu strasbourgeois avec cette longue ouverture côté droit à destination de Bagayoko et la bonne intervention de Gourville. Très tonique Gourville qui visiblement paraît décidé à mener un grand duel physique à Bagayoko. Bagayoko toujours à la lutte avec Gourville. Bagayoko qui gagne son duel, pas pour longtemps, le centre au deuxième poteau de la part d'Abibay pour la tête de Roda directement sur Nicolas Sachi. Délicate à négocier hein, cette tête. Oui, mais en tout cas des défenseurs soudanais qui pratiquement ont été difficultés sur tous les ballons, les centres, les diagonales, les coups de pied arrêtés. C'est à méditer pour cette équipe de Strasbourg. Montero pour effectuer cette remise en jeu soudanaise. On cherche encore et toujours la solution à Ndiaye qui cherche à s'infiltrer avec le bon repli défensif de la part de Ducanti. Fischer. Le ballon en profondeur.
La tête de Duboya. Martins. Conti. Adjaoud. Une série de double under, comme on dirait dans le jargon rugbyistique, qui est arrivée, mais qui n'est pas forcément en faveur des Strasbourgeois avec cette relance dévissée de Christophe Eguiman. Non, ça a pour effet de replacer l'équipe sudanaise beaucoup plus haut sur le terrain et donc d'être beaucoup moins en danger. On fera en faveur des Strasbourgeois, mais cette faute de Brogno sur Yannick Fischer. Et à l'image de Claude Leroy, Alex Dupont a demandé à trois de ses joueurs d'aller s'échauffer. Il y a notamment la présence de Cédric Mionnet, la présence aussi de Pius Ndefi. Ouais, qui sont des joueurs qui sont pratiquement titulaires aussi. Donc des armes supplémentaires pour Alex Dupont, alors que là, petit numéro technique de Brogno qui visiblement est très à l'aise. Ouais, ballon il trouve la solution Ndiaye avec ce ballon directement sur la tête de Devo. Adjaoud à la récupération pour servir Gourville côté gauche. Strasbourg qui a reculé depuis 5-6 minutes. Ouais. Olivier Quin au centre directement sur Adibay. Et là, du niveau des espaces à exploiter pour les Strasbourgeois avec Martins, sa destination de Duboya. Daniel Duboya obligé de temporiser, carte côté gauche avec Stéphane Rodard. Et Claude Leroy pendant ce temps-là demande à ses joueurs eh bien, de venir prêter main forte parce qu'il y a un trou qui s'est créé là entre le secteur défensif et l'offensive. Tout à fait, l'équipe s'est scindée en deux avec peu d'appui qui sortait de l'extérieur. Donc c'était très difficile pour les attaquants strasbourgeois parce qu'ils étaient en infériorité numérique. Ouais, derrière, ça permet à Ndiaye de venir récupérer ce ballon et de venir provoquer Yannick Fischer, le centre de Moussa Ndiaye. Et voici un corner en faveur de Sedan. De plus en plus d'espace, on s'aperçoit que la chaleur petit à petit fait son effet sur le physique des joueurs. Les deux équipes se coupent en deux. Au milieu de terrain, il y a énormément d'espace. Crochet extérieur pied droit de la part de Moussa Ndiaye. Va venir obtenir un corner. Frappé par Olivier Quin avec Gourville au deuxième poteau à la réception de ce centre qui passe largement au-dessus de la cage de Christophe Eguiman. Ouais, Gourville qui avait réussi à toucher ce ballon. Olivier Quin qui traverse le terrain pour retrouver son poste initial. Par Christophe Eguiman, loin devant, on cherche la tête de Peggy Nundula, on va trouver celle d'Oliveira, Teddy Bertin, directement sur Brogno. Diroco, c'est bien fait ça avec Mathieu Verschure, accélération de la part de Verschure, juste devant Yannick Fischer. Verschure, toujours, ouais, c'est bien fait une nouvelle fois avec Brogno, qui se fait subtiliser ce ballon par Teddy Bertin. Et pas de position de hors-jeu pour Daniel Duboya sur la longue relance. Duboya qui sera seul au deuxième poteau. La présence de Corentin Martins, le crochet. Duboya, le ballon en retrait avec ce ballon laissé par Martins. Ça frappe la bête. Le but de Peggy Nundula grâce à l'intelligence de jeu de Corentin Martins sur ce centre en retrait de Daniel Duboya. Et voici Strasbourg qui mène 1-0. C'est la deuxième fois de la saison de 2-1, pardon. Strasbourg, c'est la deuxième fois de la saison. Gérard Angélique et les hommes de Claude Leroy se retrouvent dans une telle situation. Oui, et puis surtout une longue relance de Bertin et de pratiquement sa ligne de but avec ce long ballon sur Luboya. Et on va voir Luboya qui va déjà regarder dans l'axe du terrain une deuxième fois et puis se centre en retrait avec après ce petit crochet. Martins qui laisse passer et puis là, bien, la réalisation de Peggy Nundula, rien à faire Nundula. Pour Nicolas Stachy. En tout cas, une équipe soudanaise qui est prise en contre parce qu'elle était en train d'attaquer. Et puis, une relance de pratiquement 80 mètres où elle se fait contrer. Ouais, Montero et le gardien soudanais Nicolas Stachy doivent être bien malheureux sur cette action parce que ça manquait de dispositif. Mais ça repart derrière avec la tentative de frappe d'Adjaoud avec une faute d'Abib Bey. Attention, danger pour Strasbourg car il y a réaction soudanaise immédiate. Oui, un but qui a surpris tout le monde, tant il a été rapidement obtenu avec cette longue relance entre le départ de la relance de Bertin et le but qui s'est passé 4-5 secondes. Donc l'équipe soudanaise était visiblement en position d'attaque, pas en place défensivement.
côté de ce ballon, il y a la présence aussi de Moussa India et la présence bien évidemment d'Olivier Quint. C'est lui qui avait permis à Sedan de décrocher la victoire face à Lille la semaine dernière grâce à un coup franc superbement maîtrisé dans la lucarne du malheureux Alibert, en plaçant Grégory Mardet alors exclu. Supplémentaire dans son registre technique. Les coups de pied arrêtés vers l'intérieur du pied après la petite feinte de Quint. Et là, le ballon va se loger en pleine lucarne des Gimans. Rien à faire là-dessus, mais en tout cas, quel toucher de balle. Ouais, et Tony Brognaud qui marque là et qui ouvre son compteur but dans le championnat de France. C'est un match qui s'est emballé et qui tient toutes ses promesses sur le plan à intensité dramatique. Ouais, parce que derrière ça repart avec un centre deuxième poteau qui ne sera pas négociable pour Stéphane Roda. Ah, Lucien, un petit coup de folie là sur la pelouse. Hein. Ouais, tout à fait. Claude Leroy n'est pas du tout content de l'égalisation bien sûr sedanaise. Du côté d'Alex Dupont, Alex, juste avant l'égalisation de son équipe, allait faire rentrer, il avait demandé un changement pour faire rentrer Salif Diao. Et du coup, bah, il ne change plus rien, en tout cas pas pour l'instant. Mais c'est vrai que ça s'est bien accéléré et que bon, pour l'instant, c'est une légalisation, si on peut dire, pas trop méritée pour les Strasbourgeois. Mais bon, le coup de patte de Brognaud a été décisif. On a vu un Claude Leroy qui était fou furieux, notamment contre sa défense, contre le placement de ce mur. Je crois que le coup franc est aussi bien tiré. Il faut savoir, je pense, reconnaître toute la réussite et la qualité technique de Brognaud sur ce coup-là. Bourville de la tête pour une touche strasbourgeoise. Il reste une demi-heure à jouer dans cette rencontre. Et tout est à refaire pour les deux équipes qui ont visiblement les moyens, l'une comme l'autre, de remporter ce match. Cette fois-ci, ce sont les Sedanais hein, qui vont récupérer le ballon. Les protestations de Mamadou Bagayoko. Une égalisation sudanaise qui est venue très très rapidement et c'est souvent le cas quand on marque, on a toujours un petit moment de décompression après et qui est souvent fatal. Oui, qui est une égalisation qui est à l'image de l'opportunisme sudanais, opportunisme de cette formation d'Alex Dupont. Ça fait preuve depuis le début de la saison, ça fait aussi partie d'une équipe en pleine confiance. Des défenseurs sudanais qui souffrent un petit peu plus devant les assauts des Strasbourgeois. Ouais, je vous parlais il y a quelques instants de Salif Diao. Attention avec sa tentative de tête de la part de Corentin Martins. Verchure pour venir récupérer et servir NBA. Et attention, ça sera peut-être un peu long. C'est sans compter sur la capacité de travail de Mathieu Verchure qui va pouvoir écarter sur la gauche avec Olivier Quint. L'accélération sudanaise avec un appel de balle au deuxième poteau de la part de Moussa Ndiaye. Le dégagement en catastrophe de Yannick Fischer. Oui, alors qu'il y avait trois Sudanais devant devant le but et qui attendaient un ballon précis. Bagayoko, ouais, position de hors-jeu de la part de Peggy Yundula. Oui, net. Oui, je vous parlais de Salif Diao. En fin de compte, Alex Dupont va le faire rentrer. Changement toujours poste pour poste. Et Adjaoud qui va lui laisser sa place. Donc, même schéma tactique, simplement un changement d'heure. Tout à fait. En tout cas, un joueur qui fait énormément de bien à cette équipe sudanaise. C'est Verchure au milieu de terrain qui touche énormément de ballons et qui les utilise avec beaucoup de réussite. La rentrée de Diao. On lui place d'Adjaoud. Diao qui est arrivé à l'intersaison en compagnie de Moussa Ndiaye en provenance de l'AS Monaco. On parlait de recrutement judicieux. Ça en fait partie grandement. Et un joueur qui remplace un joueur jugé fatigué par son coach. Adjaoud qui effectuait sa rentrée dans l'entrejeu sudanais derrière sa repart. Côté gauche avec ce duel entre Habib Bey et Olivier Quint. Dernier mot pour le défenseur strasbourgeois qui va obtenir une touche. Le
tout cas, un match qui reste très très ouvert sur le score définitif, chaque équipe ayant, on le répète, la possibilité de faire la différence. Ouais, l'image de Peggy Yundola qui a passé un premier rempart défensif, mais pas le deuxième, et derrière ça repart avec Alex Dirocco. Qui joue le rôle de pivot avec son amorti poitrine. Ndiaye avec Montero. Et pour Ndiaye qui avait visiblement glissé au départ de son appel. Et qui sollicitait surtout plus en profondeur, hein, plus dans l'axe. Oliveira de la tête directement sur Montero. Venir devancer Roda. Rogno qui est avec Fischer. Très bonne techniquement, qui garde le ballon et la, toute la clairvoyance de Verschuren. Et voici le premier ballon à négocier pour Diao. Quint, appel de balle côté gauche de la part de Gourville. Olivier Quint qui vient conserver ce ballon pour venir passer Bagayoko. La frappe oh, avec l'énorme occasion pour Alex Dirocco. Oui, semblable à celle de Luboya tout à l'heure avec un ballon qui file sous les pieds de Dirocco suite à cette frappe de Quint. Ce ballon légèrement détourné par Régiman. Ouais, depuis l'égalisation de Tony Brogno, il y a du flottement dans la formation du Racing Club de Strasbourg. Flottement qui permet aux Sedanais d'exploiter... Gallard. Mathieu Verschuren. Tête de Verschuren, il n'y a pas de position de hors-jeu parce que Roda couvrait tout le monde. Ballon récupéré par Diao avec l'intervention de Monsieur Colombo. Diao pour son deuxième ballon, il avait trouvé la lunette droite de Régiman. Et position de hors-jeu. Colombo avait sifflé. Avec le roi qui prépare, puisqu'il y a un petit arrêt de jeu pour une blessure d'un joueur cette année, qui prépare un double changement, puisque l'Argentin Belloso et Pascal Camadini vont faire leur entrée en jeu. Et les joueurs qui vont sortir, c'est Stéphane Roda et Bagayoko. Donc, ouais, deux milieux de terrain pour deux milieux de terrain. Voilà. Et avec un rôle pour Belloso de pivot qui devrait être la pointe de l'attaque strasbourgeoise. Ah, les dernières cartouches de Claude Leroy. Gonzalo Belloso qui a fait sa réapparition dans le groupe strasbourgeois lors de la dernière journée à l'occasion de la défaite. 3-0, on en a parlé, c'était sur la pelouse de Rennes. Et Pascal Camadini. Qui Claude Leroy a demandé de se remettre un tout petit peu en cause. C'est un joueur important dans le dispositif strasbourgeois, c'est un joueur d'expérience. Oui, qui devrait apporter lui aussi toute sa technique et le sens de la conservation du ballon. Verschuren en profondeur. En retrait vers Nicolas Stachy, la tête de Ducanti. Chercher Peggy Dundula, ça sera la remise de Montero, Verschuren avec Alex Dirocco, toujours à la lutte avec Deveau. Et le dernier mot pour l'attaquant sedanais, Olivier Quint. Diao. Oui, Diao qui cherche du soutien avec des sedanais qui jouent très très court au milieu de terrain pour progresser, ne pas perdre le ballon. Diao, et regardez les espaces qu'il y a là pour les Sedanais avec ce ballon directement sur Teddy Bertin qui va sonner la charge strasbourgeoise en écartant côté droit pour le premier ballon à négocier pour Gonzalo Belloso. Ouais, change de côté, c'est bien fait ça pour Peggy Yundula, le contrôle en pleine course, Yundula au deuxième poteau, peut-être pour la tête de Gonzalo Belloso. Et ce ballon qui va fuir en sortie de but. Et chaque ballon, chaque diagonale qui renverse le jeu met en difficulté cette équipe sedanaise. Donc des Strasbourgeois qui essaient de jouer dans ce registre-là. Qualité technique de Peggy Yundula. Ouais, avec un ballon fuyant qui passe juste sous le nez de Belloso. Et la récupération derrière. La maîtrise au milieu de terrain depuis l'égalisation de Tony Brogno. Elle est sedanaise. Oui, Gourville. A noter aussi le bon travail de Dirocco qui dans un rôle de pivot est gros. Brogno, quelle technique! Ouais, la technique de Tony Brogno qui va venir s'infiltrer devant Deveau. Et le bon tacle de la part de Jean-Christophe Deveau pour remettre ce ballon vers Abid Bey. Gourville dans le dos de Belloso. Et la touche est strasbourgeoise.
dedans. Après cette faute, cette obstruction de la part de Gonzalo Belloso. Il fait partie de ces joueurs qui sont en partance hein, du Racing Club de Strasbourg. Il faut libérer des places hors Union européenne. Il y a Di Rocco qui se bat pour récupérer ce ballon et qui apporte beaucoup de solutions de pivot à cette équipe soudanaise qui s'appuie systématiquement sur lui. Et derrière, il a fallu l'abnégation de Jean-Christophe Devaux pour permettre à Strasbourg de récupérer ce ballon. Corentin Martins. Il manque de soutien au milieu de terrain. Peggy Lundula obligé de plus en plus de décrocher pour récupérer ses ballons. À la lutte avec Moussa Ndiaye. Lundula. Duboya. Le défenseur qui décroche pour récupérer le ballon dans les pieds et faire repartir le jeu de l'autre côté. Camadini. Le ballon dans les pieds de Daniel Duboya. Toujours ce jeu en déviation pour écarter sur la droite. Maintenant avec Abibay, le centre d'Abibay. La déviation, le but ! Le but de Pascal Camadini ! Pascal Camadini, opportuniste, qui vient dévier cette balle pour permettre à Strasbourg de reprendre l'avantage et de mener maintenant 3-2. Oui, tout ce qu'on pourra dire, c'est que Claude Leroy a eu le nez creux en faisant rentrer Camadini qui, pour son premier ballon, se trouve à point nommé pour mettre ce ballon au fond sur cette petite pichenette. Là aussi, le défenseur soudanais qui regarde un petit peu le jeu. Ouais, Pascal Camadini qui s'est jeté sur un mort de faim sur ce centre initial d'Abibay qui avait été dévié par Diao, me semble-t-il. Et il a fallu cette présence de Pascal Camadini pour qu'il inscrive son premier but de la saison. Comme il est important, Strasbourg mène 3-2. Ouais, à nouveau une bonne réaction de l'équipe de Claude Leroy qui... Ouais, qui repart à l'attaque avec cette longue transversale de la part de Belloso pour Peggy Lundula, la lutte avec Montero. Lundula toujours qui va venir s'infiltrer devant Montero et qui n'obtiendra pas ce qu'il cherchait, à savoir un coup franc. Ça sera un 6 mètres en faveur de Sedan. Et ce jeu en diagonale là, avec ces longues diagonales de renversement de jeu systématique, il fait énormément de mal à cette équipe soudanaise qui trouve les espaces de l'autre côté. Terchur. Di Rocco. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Tout à moins que l'on puisse dire, c'est qu'au niveau du jeu, Gérard, l'opération réhabilitation strasbourgeoise fonctionne pour le moment. Oui, déjà, c'est une équipe qui a marqué 3 buts ce soir pour l'instant et qui en a marqué plus que ce qu'elle avait fait lors des 4 dernières rencontres. Donc, et puis elle montre petit à petit, elle se libère, elle montre un visage séduisant et enthousiaste. Alors qu'il y a eu un tacle appuyé de la part de Pascal Camadini qui n'a pas échappé à Monsieur Colombo, il y aura un carton vraisemblablement contre Pascal Camadini. Mais déjà, regardez, Monsieur Colombo siffle le coup franc après cette faute sur Pascal Camadini. Mais le geste est clair, il avait vu le tacle appuyé sur Mathieu Verchur. Résultat, deuxième carton jaune dans cette rencontre contre les Strasbourgeois. Après Yannick Fischer, c'est contre Pascal Camadini. Monsieur Colombo, de manière très intelligente, avait permis aux Soudanais de conserver l'avantage du ballon. En tout cas, des joueurs de Strasbourg qui vont essayer de ne pas commettre la même erreur que lors de l'égalisation soudanaise qui était parvenue une minute après avoir pris l'avantage. Ouais, Lucien va pouvoir nous le confirmer, mais Mionnet va faire son entrée dans la formation soudanaise. Oui, ouais, tout à fait. Il est en train de mettre son maillot. Il a relevé son maillot d'échauffement. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va sortir, mais je vous dirai très rapidement. Duboya, la récupération sur la droite face à Luis Satora. Avec une touche strasbourgeoise. Pascal Camadini qui vient s'imposer face à Diao. Camadini toujours. Avec un coup franc sifflé en faveur du Racing Club de Strasbourg, joué de manière un petit peu trop rapide. Ce Colombo qui vient mettre de l'ordre devant la défense soudanaise.
Alors, est-ce que l'on va rechercher la même combinaison Martins-Luboya? Non. On a vu le geste de patron de Corentin Martins qui a dit à Daniel Luboya, non, tu vas te placer dans la surface de réparation, on va te jouer différemment. Gonzalo Belloso, lui aussi, vient s'écarter de Corentin Martins et Nicolas Sachi, regardez, l'air un peu dépité. Il lui a parlé, Belloso. Il a dit un petit mot à Martins, peut-être pour le premier poteau. Attention à éviter la position de hors-jeu sur ce coup franc tiré par Corentin Martins. Le ballon est bien enveloppé. Et Nicolas Sachi, des deux points pour relancer directement sur Verchure. Grogno, pris en défensif par Deveau. Ballon piqué de la part de Camadini à destination de Teddy Bertin. Il ne s'imposera pas face à Nicolas Sachi. Oui, je vous parlais de Cédric Mionnet. C'est vrai que Cédric Mionnet va faire son entrée en jeu et c'est Moussa Ndiaye qui va lui laisser sa place. Le premier buteur dans cette rencontre, celui qui avait permis à Sedan à la 19e minute de la première période d'ouvrir le score. Moussa Ndiaye va céder sa place à Cédric Mionnet, un attaquant contre un attaquant. À l'occasion, Lucien, peut-être aussi que vous nous révéliez eh bien, l'attitude d'Alex Dupont au moment du troisième but strasbourgeois. Quelle a été la réaction du banc sedanais à ce moment-là? Beaucoup de déception et surtout une petite colère quand même après ses défenseurs qu'il a trouvé un petit peu statique, un petit peu passif. Et donc, il a demandé à ses joueurs de tout de suite se reprendre et en espérant une égalisation peut-être pas aussi rapide que celle après le deuxième but de Strasbourg. Mais il n'a pas encore abdiqué, Alex, et donc il espère bien que son équipe va revenir au score. Et c'est reparti du côté strasbourgeois, pas pour longtemps, puisque l'arbitre assistant, M. Colombo, avait signalé une faute de Gonzalo Belloso, qui était parti seul sur le côté droit. Tout cela sous le regard de Claude Leroy. On ne vous le cache pas, il n'attend qu'une chose, c'est le coup de sifflet final de M. Colombo. Oui, parce qu'il faut se mettre à sa place, 4 matchs et aucune victoire, aucun point. Quand on est dans cette situation-là, il est évident qu'on est obligé quand même par l'entier. Montero, ballon en retrait vers Nicolas Sachi avec un pressing offensif imposé par Daniel Luboya qui ne paye pas pour le moment. Rogno, comment cette obstruction juste devant Vincent Ducanti. Et bon pressing là des attaquants strasbourgeois qui forcent cette équipe de Sedan à jouer très très long. Donc ça facilite la tâche des défenseurs alsaciens. Strasbourg qui joue trop rapidement. Attention à ces actes d'anti-jeu, Pascal Camellini qui a mis cette tête directement dans les tribunes. Il vient déjà de prendre un carton jaune. On sait que cette saison, les arbitres ne badinent pas. Deveau prend ce duel avec Tiroco. Les Sedanais à l'attaque avec Tony Brogno. Impressionnant. Mionnet, autant pour moi. Mionnet qui écarte sur la gauche avec le centre de Quint. Ce ballon qui est dévié par Cédric Mionnet. Oui. Contré par Teddy Bertin pour un corner en faveur de Sedan. Oui, ce soir, beaucoup de ballons qui sont des ballons fuyant les défenseurs dans leur dos. Très difficile à anticiper. Olivier Quint pour tirer ce corner avec la tête d'Abib Bey. Ballon récupéré par Mathieu Verchure qui va amorcer sa frappe. Dévié par le dos de Cédric Mionnet. Ça sera un 6 mètres en faveur du Racing Club de Strasbourg. Et position de hors-jeu. Mathieu Verchure, infatigable travailleur dans le milieu de terrain cette année. Christophe Guiman, dégagé son corps sur ce 6 mètres, directement sur la tête de Diao, Mionnet à la récupération, à la lutte avec Vincent Ducanti. Diao, une nouvelle fois, il y a des espaces sur la droite, ils sont trouvés avec Alex Diroco, accélération sedanaise qui peut faire très très mal. Diroco qui vient faire un crochet, deux crochets pour écarter sur la gauche maintenant avec Olivier Quint. Et le bon repli de la part de Ducanti. Mais ce n'est pas terminé. Oh, la belle talonnade avec ce centre d'Olivier Quint. Diroco complètement seul devant Christophe Eguiman. Ah oui, là on peut considérer que c'est vraiment une très très belle occasion. Avec cette petite talonnade de Brogno qui avait vu Kemp passer dans son dos, des doublements, et puis le petit centre d'Iroco qui arrive en bout de course et qui ne peut frapper ce ballon. En tout cas, une belle action construite par les joueurs des Ardennes. Ouais, attention, parce qu'à ce stade de la rencontre, on est proche du chaos. Je ne sais pas quel est votre sentiment, Gérard. Que ce soit du côté strasbourgeois ou du côté sedanais, il y a énormément d'espace de part et d'autre. Et les organismes sont forcément émoussés. Et on a du mal au niveau de la relance, on a du mal au niveau du positionnement. Oui, surtout le positionnement quand on a perdu le ballon. Les replacements se font avec un peu plus de lenteur et moins de précision. Et ça profite aux attaquants.
Double position de hors-jeu là du côté strasbourgeois. Liu Boya et Peggy Yundula sur cette ouverture de Gonzalo Belloso. Il y a la tension nerveuse aussi dont on n'a pas parlé, surtout du côté des strasbourgeois qui pour l'instant ont leurs trois premiers points en poche. Olivier Quin. Rogno, c'est bien fait, c'est avec l'accélération de Diao. Diao qui va venir s'infiltrer, frappe contrée par Teddy Bertin, mais ballon récupéré par Berchur. Mathieu Berchur toujours pour écarter sur la droite maintenant avec Alex Dirocco. Centre deuxième poteau et position de hors-jeu annoncée contre Tony Brogno et Cédric Mionnet. Perrin qui récupère beaucoup de ballons. On le répète une nouvelle fois, c'est Berchur au milieu de terrain qui est présent sur toute la largeur. Ça va permettre à Ediman et au Racing Club de Strasbourg de se dégager loin, très très loin, avec la tête de Gourville. Camadini, ballon récupéré par Abid Bey. Corentin Martins, séché par Diao, ça n'a pas échappé à Monsieur Colombo. Teddy Bertin pour jouer ce coup franc à destination de Peggy Yundula. Ouais, ça sera long. Va falloir commencer à gérer là, du côté strasbourgeois. Ça serait la plus grave erreur à commettre face à une équipe de la qualité de Sedan. Oui, mais bon, il faut les comprendre aussi. C'est pour eux, c'est un peu le match qui doit être un nouveau départ. Pour les risques pour Nicolas Sachi, accroché par Daniel Yuboya, qui vient en plus se plaindre contre Monsieur Colombo et qui écope à l'arrivée d'un carton jaune. Et c'est la défense sedanaise qui vient mettre en difficulté son propre gardien. Ouais, pendant ce temps-là, Claude Roy demandait à ses joueurs et surtout à ses défenseurs de ne plus sortir du tout, de rester bien en place, et il leur a montré en faisant un signe avec ses doigts qu'on menait 3-2. Donc on reste derrière et on reste bien en place, pas de risque. Vincent Ducanti, ancien du Red Star, jeune joueur qui a parfaitement tenu son rôle. D'essuie-glace au milieu de terrain pour chercher la récupération. Un ballon qui revient dans les pieds de Mionnet. Appel de balle sur la gauche de la part de Dirocco, Camadini, Verchur et Oliveira avec Satora. Il y a beaucoup de place sur la droite pour Montero qui est servi par le Satora. Montero, appel de balle sur la droite de la part de Verchur. Montero toujours qui vient de passer. Ce ballon qui flotte avec la tentative de reprise déviée in extremis alors que Mionnet se présentait seul face à Eguiman. Ça sera un corner pour les Sedanais. Oui, avec le bon appel de Verchur qui amène tout le monde. Et puis ce ballon qui va passer entre les jambes de Fischer et qui est détourné un corner devant Mionnet. Pour tirer ce corner directement sur la tête d'Abid Bey. Et ce ballon qui va être récupéré par Pascal Camadini. Des espaces là aussi pour Camadini avec Teddy Bertin qui va venir se porter aux avant-postes. Ouais, l'autre côté. Oh, c'est bien fait ça de la part de Camadini pour Peggy Yundula. Destination de Liu Boya pour Peggy Yundula, pardon. Ouais, mais il est obligé d'attendre parce qu'il n'y a plus aucun attaquant dans la surface de réparation. Donc il essaie de c'est bien fait ça de la part de Yundula, accroché par Montero, mais Monsieur Colombo considère qu'il y a plongeon de la part de l'attaquant strasbourgeois. Et Claude Leroy est fou furieux Claude Leroy sur son banc de touche. Virginie. Olivier Quin qui est changé de côté, il a contré par Vincent Ducanti, ça va permettre aux Sedanais d'obtenir un nouveau corner. Monsieur Colombo qui va venir réprimander Claude Leroy. On revoit ce qui s'est passé avec ce bon geste et peut-être quelque chose là sur ce coup-là. Olivier Quin va avoir le soutien de Mathieu Berchur pour tirer ce corner avec le centre deuxième poteau. L'intervention de Christophe Eguiman, oui, qui est venu d'une main récupérer ce ballon qui paraissait lui échapper avec ce bon centre Berchur au deuxième poteau. Regardez, il vient lever le ballon de la tête
Et derrière, ça repart avec ses Strasbourgeois et Pascal Cavadini qui va venir se présenter face à Montero. Double contact avec Liundula au deuxième poteau. Position de hors-jeu contre Daniel Nuboya. Bon, il y avait peut-être autre chose à faire sur cette action-là, Gérard. Oui, mais bon, peut-être tenter de frapper, mais je veux dire, il avait vu la solution excentrée avec ce joueur tout seul, alors que là, on voit le centre de Verschuur et puis l'excellente intervention de Ejiman avec sa main droite. Et ça repart côté sudanais avec sur la droite la présence de Mioné contrée par Vincent Duplanty. On voit ce qui s'est passé. De toute manière, Daniel Nuboya avait trop ouvert son pied. Le cadre n'était pas trouvé. Olivier Quin avec Sakura. Abibay joue ce devant Alex Tiroko. C'est important ce qu'il réalise, Abibay qui va pouvoir accélérer. Attention au hors-jeu de la part de Peggy Liundula. Mathieu Verschuur. Autant vous dire tout de suite qu'il y a une tension nerveuse absolument impressionnante là ici au stade de la Meno avec Diao. Eh oui, c'est compréhensible parce que les deux équipes ont eu la possibilité de mener au score et maintenant le match avec la chaleur, les difficultés psychologiques arrive à son terme et tout peut se passer parce qu'il y a beaucoup d'espace. Grognon face à Yannick Fischer, le centre contré par Yannick Fischer avec ce ballon récupéré par Corentin Martin. C'est Fischer qui balance directement en touche. Là aussi on manque de lucidité dans la défense strasbourgeoise avec cette touche qui va revenir au défenseur Montero. Diao, Montero, appel de balle de la part de Verschuur. Ballon récupéré avec Mioné, c'est passé là pour les Sudanais qui vont venir s'infiltrer. Verschuur qui va temporiser le centre en retrait, la frappe. Oh, quel arrêt! Quel arrêt de Christophe Eguiman! Et Claude Leroy, Gérard, est au bord de la crise cardiaque. Oui, Eguiman qui vient de faire un arrêt absolument décisif sur cette reprise à bout portant et qui, pour l'instant, est rempli parfaitement son rôle avec... beaucoup de talent. Et maintenant, ce sont des salves successives là, de la part des Sudanais qui repartent à l'attaque avec la tête de Diroko. Ballon récupéré. Le bon geste là, de la part de Cédric Mioné. Oui, qui a tardé à voir sur le côté. Et ballon de l'autre côté. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu sifflée contre Mathieu Verschuur. Oui. Mioné qui a beaucoup trop temporisé le ballon alors qu'il y avait deux solutions extérieures complètement libres. C'est plus facile à dire du haut de la tribune que sur le terrain naturellement. Teddy Bertin loin devant sur la tête d'Olivera. Ballon récupéré par Montero, pas pour longtemps parce que dans les parages il y a la présence de Daniel Nuboya qui s'impose face à Olivera qui va pouvoir accélérer. Attention au hors-jeu une nouvelle fois de la part de Peggy Liundula et contrôle délicat dans la surface de réparation. Oui, donc ça permet à l'équipe de Strasbourg de gagner les quelques minutes qui sont nécessaires pour se replacer. Et ça repart côté sudanais. Avec Olivier Quin. Là, il y a de l'espace maintenant. Hein. Mathieu Verschuur. Oh, le soutien de Montero qui va être servi face à Corentin Martins qui vient contrer ce ballon. Kamadini directement dans l'axe sur Olivier Quin avec Verschuur à la récupération. Kamadini face à Verschuur qui ne s'impose pas. Et ce geste-là aussi, il est important de la part de Yannick Fischer parce que la relance, elle va peut-être permettre à Peggy Liundula de s'imposer. Non, il y a faute. Sur Oliveira. Oui, ballon joué trop rapidement. Un 2 contre 1 négocié avec Nuboya qui va se présenter face à Sachi. Le contrôle, la frappe. Oh, Daniel Nuboya qui manque de lucidité. Incroyable, Gérard. Oui, bon, il manque de confiance. Surtout, il essaie de retrouver le chemin du but. Et tant qu'il n'aura pas marqué le but libérateur, ça sera difficile pour lui. Nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire. Et Strasbourg mène toujours 3 buts à 2. Mais comme tout cela se déroule dans la souffrance. Regardez cette opportunité. Ouais. Avec un crochet, deux crochets, il y avait de l'espace pour donner vers Liundula. Il préfère frapper. Regardez la réaction de Claude Leroy. Ben oui, dépité parce qu'il sait qu'il aurait pu tuer le match. Là, il reste sous la pression. Le centre de Montero contré par Yannick Fischer. On tire plus en place hein, sur le banc strasbourgeois à l'image de Mamadou Bagayoko, de Stéphane Roda. Vous savez, hein, les joueurs. Oh là là, avec le mauvais geste, le mauvais geste de la part de Mioné. Coup franc en faveur du Racing Club de Strasbourg. 4 minutes de temps supplémentaire. Et la nouvelle réaction de la part de Claude Leroy.
Ah oui, ça fait long. Hein. Regardez, il demande 10 minutes à M. Colombo. Ça fait long. Teddy Bertin. Loin devant. Ballon qui était destiné initialement à Peggy Lyundula et qui est perdu immédiatement par les Strasbourgeois. Il est au bord de la rupture, Peggy Lyundula. Ouais, pour l'instant là, Alex Dupont a demandé à ses joueurs de tenter le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'il a demandé à ses deux joueurs de couloir, faire Guillaume et Montero, de monter au maximum, d'aider au maximum le milieu de terrain et les attaquants pour essayer de revenir au score, puisqu'il reste 4 minutes d'arrêt de jeu. Ce qui est quand même assez important. Ouais. Habib Bey. Quand même, c'est justifié dans la mesure où il y a eu les 6 remplacements. Donc, absolument. Ça fait du temps, chaque fois 30 secondes. La bonne déviation de la part d'Olivier qui est en destination de Courville. Qui va venir pour corriger. On va chercher une solution. Ça devient dur aussi forcément pour le trio d'attaquants sedanais, Tiroco, Drogno et Mionnet. Mais le nouveau geste technique de la part de Drogno qui vient placer cette frappe du gauche qui passe au-dessus de la cage de Christophe Eguiman. Drogno qui aura causé beaucoup de soucis. On va le voir, la règle sur son contrôle orienté extérieur du pied fait la différence. Pied gauche, il met au-dessus. Un joueur qui a visiblement posé beaucoup de problèmes par sa technique à ses adversaires. Cette frappe, il est sur la trajectoire du ballon. Teddy Bertin et Peggy Lyundula a pu récupérer avec Gonzalo Belloso. Camadini vers Corentin Martins. Il va falloir accélérer le jeu. Pas de position de hors-jeu de la part de Daniel Duboya qui va temporiser dans la surface de réparation pour attendre du soutien. Deuxième poteau, la tête de Martins accrochée. Et Monsieur Colombo qui considère que Corentin Martins s'est écroulé volontairement dans la surface. Il va falloir revoir cela à Gourville. Corentin, là on voit le petit placement de jambe de Duboya. Il n'y a rien en fait. Hein. Et derrière ça repart avec Mathieu Verchure qui va venir provoquer Jean-Christophe Debeau. Et le ballon qui est dégagé par Pascal Camadini. Oui. Et ce ballon qui n'est pas sorti, personne pour venir le chercher. Je vous dire qu'il y a quelques joueurs qui sont particulièrement éprouvés par la fatigue et la chaleur. Il reste 1 minute 30 à jouer. Dans ses arrêts de jeu. Mathieu Verchure, Olivier Quint, Diao, il y a des espaces pour Gourville en profondeur avec Diao qui va chercher la frappe. Et ça sera un 6 mètres pour le Racing Club de Strasbourg. Qui tient apparemment son premier succès, ses premiers points. Lucien va pouvoir nous confirmer, mais du côté strasbourgeois, ça doit être intenable, Lucien. J'ai pas entendu, pardon Jean-Charles. Je dis que sur le banc strasbourgeois, ça doit être à la limite soutenable. Ah oui, là c'est la pression est énorme. Claude demande toutes les 10 secondes, il demande si le match est terminé. Il demande le public, il appelle le public, il a tout le banc strasbourgeois est pratiquement debout. On attend le coup de sifflet libérateur de M. Colombo. Ballon en faveur du Racing Club de Strasbourg sur cette lutte menée par Gonzalo Belloso. Allez, on y est dans cette dernière minute. Claude Leroy qui demande le soutien du public. C'est vrai que Strasbourg est en train de réaliser une performance. On ne va pas présager du score. La tête de Teddy Bertin qui est à la lutte avec Alex Dirocco. La dernière récupération, Mionnet. La frappe de Mionnet directement sur Eguiman. Il était délicat à négocier ce ballon. Oui, Eguiman qui aura fait un sans faute avec deux ou trois arrêts absolument déterminants et beaucoup d'assurance. Ballon récupéré par Peggy Lyundula à destination de Camadini. Il y a des espaces pour Belloso. Belloso qui va pouvoir accélérer. Appel de balle. Le ballon directement sur Oliveira. C'est récupéré. Et le coup de sifflet final de M. Colombo sur cette victoire. 3-2 du Racing Club de Strasbourg. Strasbourg qui a réussi, Gérard, avec ses tripes, à venir décrocher cette première victoire de la saison. Oui, Strasbourg qui a débloqué le compteur et je pense que c'est quelque chose qui doit faire énormément plaisir à ce sympathique public strasbourgeois. Oh, il y a du soulagement, il y a de la libération. Claude Leroy qui vient voir tout le monde, Duboya qui vient voir Belloso. Toute la formation strasbourgeoise regroupée au milieu de terrain. Ça a été un combat de tous les instants face à une formation sardonnaise. On avait le sentiment pendant toute la rencontre, Gérard, que les hommes d'Alex Dupont avaient les moyens concrètement de revenir au score, au moins de revenir au score. Oui, je pense que Sedan avait les moyens de revenir au score.
Sedan a montré beaucoup de qualité, mais quelquefois un peu d'attentisme, notamment sur tout ce qui était coup de pied arrêté ou sur ces longs ballons au centre de la défense. Lucien. Oui, Jean-Charles avec Cédric Mirnet. Cédric, on a vu un match un peu fou avec 5 buts. Vous avez perdu, mais à quel moment avez-vous senti que vous étiez plus en difficulté qu'un autre? Parce qu'on a eu l'impression qu'en première mi-temps, pardon, vous avez quand même pas mal maîtrisé. Ouais, c'est vrai, on a bien maîtrisé en première mi-temps. Mais bon, il faut dire, ils ont eu pas mal d'occasions. Ils méritent quand même de gagner à la mi-temps, tout au moins. Et nous, bon, en deuxième mi-temps, on a commencé à vraiment à bien jouer au ballon. Et ça a fait plaisir. Mais bon, c'est difficile contre une équipe comme ça. Ils sont en plein doute, mais ils ont la rage, ils ont envie de bien faire. Et bon, ben, on les a relancés, tant mieux pour eux. Et à nous de travailler. Un mot sur cette nouvelle saison à Sedan où c'est la deuxième consécutive en Division 1. Est-ce que ça change par rapport à l'année dernière? Est-ce que vous êtes plus attendu par rapport à l'année dernière? Vous étiez un peu l'équipe surprise. Ouais, c'est sûr, on a attendu. Mais bon, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Et je pense qu'on a quand même les qualités pour jouer en première division. On l'a encore démontré ce soir, même s'il n'y a pas eu la réussite au bout. Et bon, bah, c'est à nous de travailler à l'entraînement et tout au moins pour ma part de regagner ma place. Parce que bon, la concurrence est rude et bah, j'espère la regagner le plus vite possible parce que j'aime pas trop ce fameux banc. Et bah, on vous souhaite de retrouver d'être tout de suite dans le prochain match dans les 11. Bon, bah, je passe bonjour à ma famille, en Pas-de-Calais et à ma femme. Il n'y a pas de problème, à bientôt Cédric. On regarde le sourire malgré tout du côté de Sedan. On va conclure sur cette intervention de Cédric Mionnet qui, somme toute, a bien résumé la situation. On a vu une formation strasbourgeoise volontaire. Gérard qui a pris un premier coup de massue sur la tête en première période au moment de l'ouverture du score de Moussa Ndiaye. Mais une formation emmenée par un Corentin Martins des Grands Jeux, une formation alsacienne qui finalement a su sortir de sa véritable torpeur connue depuis le début de la saison. Oui, surtout qui a entamé la deuxième mi-temps avec tout l'enthousiasme qu'il fallait. Et qui a su concrétiser les occasions, être plus présent au niveau des duels et faire la différence comme elle le souhaitait le faire. Et bien voilà, ça sera la conclusion pour cette rencontre. Je vous rappelle les buteurs du côté de Sedan, Ndiaye et Tony Brogno. Et en ce qui concerne le Racing Club de Strasbourg, et bien il y avait Habib Bey, il y avait Peggy Lyundula et enfin le but vainqueur est signé Pascal Camadini. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette rencontre. On va faire un grand merci à Mohamed Hassani qui était de manette ce soir pour vous permettre de vivre avec son équipe cette rencontre dans les meilleures conditions. Gérard, à la semaine prochaine. Bonsoir. Et excellente suite de programme à vous tous. Salut.